Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo donc sur One Day One Asset. Donc aujourd'hui on va modéliser une bibliothèque ensemble qu'on va sélectionner donc ensemble. On va essayer donc de récolter donc les références, voir un petit peu comment je travaille hein, donc au niveau des références, donc de la récolte de références, qui est important de prendre ou pas. La recherche de textures. Donc je vais vous donner plusieurs sites où vous allez pouvoir donc récupérer des textures donc soit similaires, soit identiques hein, du coup aux mèches qu'on va faire. Et ensuite modéliser l'asset et voir ce qui est important ou pas de modéliser, d'accord? Donc du coup on va ici donc se retrouver donc directement sur Google et on va donc aller sur Maison du Monde. Donc pourquoi Maison du Monde? Parce que du coup ils ont vraiment un site très fourni de meubles et que j'aime beaucoup en fait, avec des beaux meubles, des belles choses. Et on va ici donc dans produits et on va prendre du coup les bibliothèques. Donc du coup c'est pas voilà, il n'y a pas de partenariat avec Maison du Meuble, hein, je vous rassure. J'aimerais bien, mais bon, c'est pas le cas. Donc voilà, Maison du Meuble, si vous regardez cette vidéo. Virement, direct. Non, je déconne. Non, mais enfin, voilà, quoi. Donc du coup, les mêmes Maisons du Monde sont assez stylisées, assez sympas, donc j'aime bien, quoi. Donc on va partir sur quelque chose d'assez simple, hein, au final, pour cette première modélisation. On va partir sur cette bibliothèque-là, d'accord? Voilà, et du coup, voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple. On a donc quelques petites notions de... de tiroirs, vous voyez en fait, hein, donc ici les poignets, les pieds, voilà, qui sont importants, le petit dénivelé ici qu'on a donc au niveau du dessus, hein, donc de la bibliothèque, donc voilà, donc je pense que ça peut être un modèle intéressant pour commencer. Donc on va ici ouvrir PureRef, et du coup sur PureRef, donc vous avez la possibilité de le mettre toujours en premier plan, c'est-à-dire qu'il sera toujours affiché au-dessus de Blender, des sites internet, etc. Donc pour faire ça, vous allez dans Windows, vous allez mettre ici, donc, c'est pas Windows, c'est dans Mode, excusez-moi, et on va mettre ici Always on Top. Voilà, donc on le coche, et du coup, il sera toujours au-dessus des sites, ce qui me permet, moi, d'ouvrir donc ma page, et ensuite de glisser les références dessus. Donc là, on va commencer par ouvrir celle-ci, on la prend, hop. Donc essayez toujours d'ouvrir les images pour avoir la qualité maximale, parce que si vous prenez donc les petites images, en fait, de vignettes, vous allez avoir une basse qualité au niveau de la référence, ok? Voilà, donc on va prendre donc, toutes les références possibles. Voilà. Là, on a donc une scène d'intégration, hein, donc du coup, pour voir un petit peu à quoi ressemble le meuble. Donc, on peut la prendre aussi pour voir un petit peu les côtés, le dénivelé, certains détails qui peuvent manquer, éventuellement. Voilà. Ensuite, une autre ici. Donc là, c'est un peu similaire, donc on va pas prendre celle-là. Celle-là non plus. Celle-là, elle est là. Ouais, bof, non. Hop. Voilà, celle-là, elle est très très bien, par contre. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. On va regarder donc si on a plus d'images, voire plus de visuels. Non, d'accord, c'est les seuls. Ok. Bah écoutez, parfait. Donc là, ensuite, on a donc les dimensions et les poids donc du produit. D'accord. Donc fiche dimension, on peut télécharger donc ici directement une fiche de dimension. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, on a donc accès au PDF directement du meuble. Et avec les cotes, vous voyez, donc on a ici donc les planches E, D, A, B, C. Donc ce qui me donne beaucoup de détails, donc on va prendre ça comme ça. Donc du coup je vais dézoomer, hop, voilà. On va faire un Windows Shift Click. Ah, donc je sais pas si vous voyez cette manip là en fait, hein, du coup, mais c'est Windows Shift S, d'accord, pour faire un screenshot de votre écran. Et ensuite sur PureRef, vous laissez votre souris dessus et vous faites un Ctrl V. Vous voyez. Et du coup ça vous permet donc de prendre aussi des portions d'image pour les intégrer sur PureRef. Donc Shift, Windows Shift S, pour Mac, je ne sais pas du tout par contre la manip, mais voilà, Windows Shift S, ça vous ouvre une espèce de petite fenêtre, vous faites un drag and drop, donc je ne sais pas si vous le voyez en vrai, hein. Voilà, et du coup ça vous prend votre screenshot, ok? Et ensuite, CTRL V pour le coller ici. Tout simplement. Donc là, ce qu'on peut déjà analyser, c'est voir donc, le type de bois. Donc là, on a ici, donc normalement, le type de bois qui est référencé. Donc, trois étagères fixes, tac, 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 donc là, non. Je vais quand même prendre les dimensions globales du produit. Voilà, on va les coller aussi ici. Alors, récolter au maximum de références, hein, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Le type de bois, par contre, je ne sais pas du tout. Le type de bois, normalement, il est référencé, mais là, je ne l'ai pas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. À la finition, l'azur est blanche, d'accord. Bon. Là, on va voir un petit peu les caractéristiques. Structure, Polo Wania. C'est ça? Type et provenance du poids, ouais, donc ça, Polo Wania. Ok. Bon, écoutez, on va prendre ça comme référence, du coup.
Donc CTRL-C, là pareil, je vais créer donc une petite note. Voilà. Et on va faire un CTRL-V dessus, voilà, pour avoir donc le type de bois qu'on veut, tout simplement. Donc maintenant, la première étape, c'est l'analyse des références. Donc là, on peut zoomer hein, sur les photos à l'infini, vous voyez, avec la molette, hein, donc c'est ça qui est cool avec PureRef. On n'a pas besoin d'augmenter la fenêtre, on peut la laisser comme ça. Et là, on peut analyser donc déjà le sens du bois, très important. La construction des tiroirs, comment c'est conçu. Donc nous, on va les construire de façon réaliste, dans le sens où on va vraiment séparer les planches pour donner un peu plus de réalisme. Voilà, comme quoi c'est assemblé et que c'est pas quelque chose d'unifié. Le sens du bois, donc arrière, le sens des planches, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent hein, sur le sens du bois. En fait, ils ont tendance à mettre les rainures du bois qui partent à gauche. Vraiment, faites attention à ça, parce que ça, c'est quelque chose qui choque. Pas pour tout le monde, peut-être. Hein, peut-être qu'il y a des gens à qui ça passe à la trappe. Mais ça gêne l'œil, en fait. Hein, voilà, pour des yeux un peu plus connaisseurs. Ensuite, on a donc la structure du pied avec un léger bevel, comme ceci. Hein, donc un léger arrondi, donc là, on le voit, hein, ici. La structure du meuble, et les pieds, du coup, voilà, dessus, avec un petit arrondi sur le côté. Voilà, parfait. Très bien. Donc là, ça, c'est OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut analyser? Donc les poignées, donc poignées basiques en fer. On n'a pas forcément de détails de taille de poignée, mais on voit un petit peu la structure, comment elle est faite. Voilà, donc là aussi, hein, on peut voir un peu plus les poignées, parfait. Les pieds, hein, on voit bien les arrondis, nickel. Ok, bah écoutez, voilà, donc là, en termes d'analyse de référence, voilà, c'est assez simple, hein, du coup, hein, c'est assez rapide. On a donc au total la planche arrière, les trois planches, en fait, d'étagère, hein, du coup, le dessus, le bas, donc le bas qu'on va diviser, donc du coup, en une partie, donc un bloc avec les arrondis dessus, ici, et ensuite les pieds, voilà. Donc je pense pas que ça soit un bloc seul, par contre, j'ai pas l'impression. Non, ah si, c'est un bloc seul, d'accord, bah, c'est un bloc seul, écoutez. C'est une pièce de bois seule, en fait, unie avec, avec les pieds dessus. D'accord. Je trouve ça plus joli de le séparer, mais finalement, on va le faire en un bloc. Par contre, la pièce au-dessus, là, elle est assemblée. D'accord. On a ici une rainure, en fait, donc ça, c'est assemblé par-dessus pour accueillir notre bibliothèque. Ok, bah, très bien. Voilà, donc du coup, on a ici donc notre référence qui est prête. Donc on va minimiser un petit peu cette fenêtre-là. On va la mettre à peu près comme ça. Et on va se la mettre ici. Voilà. On va zoomer sur la référence de base avec les côtes. Voilà, c'est parfait comme ça. Tac. Maintenant, il faut récolter donc les textures. Donc pour les textures, il y a plusieurs sites de dispo hein, pour les textures. Donc là, je vais enlever la référence sur la gauche, hein, donc sur mon écran secondaire. Et pour les textures, en fait, vous avez donc soit Bridge. Donc Bridge qui est fourni avec Epic Games, qui est gratuit pour les possesseurs d'un compte Epic Games. Donc faites attention à ça, parce que sans compte Epic Games, ça vous demande des crédits. Donc si vous n'avez pas de compte Epic, créez-le par rapport à Unreal. Et si vous en avez un, vous avez juste à vous connecter avec votre compte Epic, pas Google, ni Facebook, ni rien, compte Epic, je répète bien, pour avoir les textures gratuites. Okay, donc là, sur Bridge, on a donc les assets 3D, les plantes, les surfaces, les décals, les atlas, les imperfections, les déplacements et les brosses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les surfaces. On va aller ensuite, donc ici, vous voyez, donc on a différentes catégories, donc asphalte, barque, etc. Donc on va aller dans Wood. Et dans Wood, on a donc les boards, les logs, donc les troncs, les autres, voilà, catégorie autres, les parquets, les planches et les veneers. Donc les veneers, c'est ceux qui sont vernis, en fait, hein, donc les planchers vernis, etc. Donc on va aller du côté du veneer, du coup du vernis, et on va essayer de trouver une texture similaire en termes de couleur, en termes de forme, en termes de qualité. Voilà, donc du coup, on va regarder un petit peu donc, la teinte de ma référence. Voilà, donc c'est un bois assez blanc, hein, du coup. Donc on a celui-ci, le H Venir, qui est pas mal. On a celui-ci, le Oak Venir, le Birch. Voilà. Et nous, le bois qu'on veut, c'est du Polonia. Polonia. Ok, Polonia. Donc je doute hein, qu'il y ait ce bois-là, mais on va voir. Hein. Polonia. Non. Voilà. Donc ça, c'est pas un nom qu'il connaît, donc c'est pas grave. Soit vous décidez de vous en rapprocher au maximum en termes de rendu, d'accord. Donc là, si on regarde un petit peu donc, le bois qu'on a ici, on peut voir que du coup, ce bois-là, il est assez... voilà, avec des nœuds assez présents, hein, vous voyez, en fait, des formes assez présentes. Donc du coup, il faut prendre, voilà, par exemple, celui-ci, qu'on peut scale de façon un peu plus grande, vous voyez, avec les mêmes motifs, hein, les mêmes patterns, pas la même couleur, mais à peu près les mêmes motifs. Ou sinon... Le H venir aussi est pas mal, mais il est un peu plus... Ouais, un peu plus beige. On va partir sur celui-là, le Oak Venir, il me paraît pas mal, hein, je pense, hein, en termes de cohérence.
On pourra retoucher un peu la couleur, hein, si on le souhaite, sur Substance. Donc là, très important, pour télécharger vos textures sur Bridge, donc pareil, ça fait office de tuto, de prémisse, hein, donc je le répéterai à chaque fois, mais voilà. Il faut donc paramétrer Bridge un peu de façon un petit peu différente pour vous sortir les textures correctement. Je m'explique, c'est que là, si je télécharge mes textures, donc j'ai 2K, 4K, 8K, donc nous on va prendre 2K, hein, c'est largement suffisant. On va prendre ici, donc, les paramètres de téléchargement, d'accord, donc download settings, et ici vous avez toutes les textures qui sortent, d'accord. Donc on a l'albédo, la metalness, la rogueness, la spec, etc. Vu qu'on ne sait pas encore comment ça va être intégré sur Fab, on va faire donc l'optimisé et les cartes normales, ok. Donc pour ce faire, on va prendre donc la spéculaire, la diffuse, la gloss, non, la displacement, j'en veux pas, je ne veux pas de displacement sur la carte, les normales, la normal bump, oui, normal object aussi. La curvature, pourquoi pas, la cavity. Là-haut, l'opacité, le brush, non. Le fuzz, non plus. Les masques, oui. La thickness, aussi. La translucence et la transmission. Donc ça, c'est toutes les cartes que je veux. Pour l'albédo, on va la laisser donc en JPEG. Pour la metalness, on va la mettre en XER. Donc je vous expliquerai après pourquoi. La rogueness, pareil, EXER. La spec, pareil. La diffuse, pareil. La diffuse, non, en JPEG, excusez-moi, je dis n'importe quoi. La normale, en XER. La normal bump, pareil. La normal object aussi. La curvature en XER, la cavity en XER. Voilà, en gros, c'est tout en XER, sauf les couleurs. Donc le masque, ok. La transmission, c'est en JPEG. La translucence, c'est en JPEG aussi. La thickness en XER et le masque en XER. Voilà. Donc ça, c'est le format de téléchargement. C'est pas le format final, ok. Le format final, c'est le format d'export. Donc là, on a défini donc, toutes les textures qu'on souhaite télécharger. On souhaite prendre, et ensuite on va les transformer, les convertir, pour avoir nos propres textures. Donc pour faire ça, il faut aller dans Edit, et là vous allez dans Export Settings, donc les paramètres d'export. Donc là il vous demande donc le target, donc où est-ce que vous voulez exporter les fichiers, donc moi c'est dans un disque custom, d'accord, donc custom disk export, et c'est sur mon disque G, dans stock global, Quixel export. Okay, donc faites un dossier vraiment à part pour identifier vos textures. Ensuite vous allez cliquer sur Texture, ici, et là, vous avez encore une fois donc, le custom disk export, le format, on va mettre du PNG, et ensuite, on va prendre donc, ici, donc, au niveau de la surface, l'albédo, la haut, la bump, la cavity, la curvature, la diffuse, la displacement, non, l'émissive, oui, la fuzz, non plus, la gloss, non plus, le masque, la metalness, la normale, l'opacité, la rogueness, la spec, la thickness, la translucence et la transmission, parfait, et on va rajouter des maps en plus, donc les maps combinées, okay, et la normale, OpenGL aussi. Donc pour faire ça, on va prendre donc ajouter une map. Là, on va faire un nom. Donc ici, on va mettre MSRAO, ok, pour la texture. Quel format? Bah, du PNG. Est-ce que je veux 3 canaux RGB? Non, j'en veux 4, donc RGBA, en 16 bits. Voilà, et je sélectionne donc ici sur le canal donc M, la métallique. Sur le canal vert, la spec. Donc la S, spéculaire rouge, hein, du coup, c'est toujours celle-là qu'il faut prendre. La rogueness, donc, sur le canal bleu. Voilà. Et la O, sur le canal alpha. Là, il me demande, est-ce que c'est du sRGB? Non, c'est du linéaire, d'accord? C'est des valeurs linéaires. Donc on progresse linéaire, linéaire, linéaire. C'est des valeurs de 0 à 1, c'est du linéaire, pas du sRGB. Et on a notre texture MSRAO. Ensuite, on va prendre l'autre texture qu'il nous faut, c'est la normale OpenGL. Donc en sachant que tout ce qui est sur Bridge, normalement, est déjà en DirectX. Et je dis bien normalement, ça peut dépendre des fois des textures, mais normalement c'est en DirectX. Donc si on veut une normale OpenGL, il faut sélectionner donc ici 16 bits, en PNG toujours, et prendre la normale X sur le canal rouge, normale Y inversée, d'accord, normale Y inversée pour le DirectX, mais là, vu qu'on veut passer du DirectX en OpenGL, on inverse, et sur le canal bleu, la normale Z. Voilà. Donc, petite vérification, on va regarder sur la normale de base comment c'est foutu. Là, on voit que le normal Y est positif, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est déjà en DirectX. Si je veux l'inverser, c'est en OpenGL. Les valeurs, pardon, c'est du linéaire, hein, parce que du coup, c'est des axes, hein, c'est pas des valeurs de couleur. D'accord. Enfin, même si c'est des couleurs, c'est des axes, donc c'est du linéaire, et là, on est bon. La transmissive, on a ici donc en PNG, donc c'est des valeurs de transmission, on va mettre en 16 bits. La translucence, on a donc du sRGB en PNG,
On va mettre ça en JPEG, en 8 bits, c'est parfait. La thickness, ça va être du PNG en 16 bits également, la spec aussi. Donc la specular, en fait, on va mettre juste une valeur en gris, et on va mettre la valeur rouge, en fait, hein, parce que du coup, ça n'a rien d'avoir les trois valeurs à chaque fois. C'est complètement inutile, donc on va mettre specular R et en 16 bits, voilà. Ensuite, on a donc la roughness, qui va être pareil, donc en 16 bits, l'opacité en 16 bits, la normale en 16 bits, voilà, la metalness en 16 bits, le masque en 16 bits, toujours. Donc d'où l'importance de télécharger les textures en XER, parce que du coup, vous avez beaucoup plus de valeur sur une UXER que sur une plage comme ça. Donc JPEG pour l'émissive, la diffuse, JPEG aussi. La curvature en PNG, pardon, en 16 bits. La cavity, pareil. Donc la cavity, c'est la cavity du mesh en général. Il n'y a pas la cavity des textures, mais bon, on peut la voir des fois, donc c'est assez sympa de l'intégrer, quoi. La haut en 16 bits et l'albédo en JPEG. Voilà. Donc ça, ce sont les textures de base. Donc maintenant, pour le format d'export, en fait, je vais vous montrer une technique qui est assez simple. C'est qu'en fait, les matériaux que vous avez donc ici sur Bridge sont très lourds la plupart du temps. Et pour moi, ne sont pas justifiés comme ils sont, d'accord? Pourquoi? Parce que du coup, ils ont beaucoup de valeur, en fait, hein, dessus, et il y a beaucoup de textures qui ne servent pas. Voilà, tout simplement. Donc, pour les optimiser, on optimisera sur le mesh directement, d'accord? Inutile de les optimiser maintenant. Pour les 3D assets, donc ça, on va laisser par défaut, les décals aussi, les imperfections, les atlas, ça, on verra par la suite. Donc, les modèles, voilà, on s'en fout, les file names, on s'en fout, et là, on est bon. Pour les textures, par contre, on va mettre... Non, map name, non, c'est bien. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Par contre, il y a juste aussi la map name, parce qu'en fait, il donne l'idée, en fait, donc l'identification. Et ça, je pense que on s'en fout un peu. Parce que l'idée, en fait, on va la remplacer par autre chose. On va mettre $, donc du coup, symbole de dollar, là. Non, ça va lire. Hop, $. Et du coup, c'est name, voilà. Donc asset name plutôt que l'idée, parce que l'idée en fait ça vous donne un code et en fait le code on s'en fout, enfin ça veut strictement rien dire quoi. Donc mettez name plutôt qu'idée, voilà. Et là on a nos paramètres d'export. Donc maintenant qu'on veut notre texture, on va la prendre en 4K. Donc pourquoi 4K? Parce que du coup pas en 2K. 2K c'est pour la sortie. 4K parce qu'en fait on va d'abord prendre la maximum de résolution pour l'appliquer sur notre mesh et ensuite on va baker les textures. Donc baker c'est les enregistrer sur notre mesh. D'accord? Donc ça je vous expliquerai pour l'étape de texturing. Donc on prend les textures en 4K, on les télécharge, donc download. Donc là il va prendre son temps pour télécharger la texture. Et ensuite, on va l'exporter. Donc là, vous voyez, en fait, on a le petit compteur ici, hein, donc voilà. Parfois, ça arrive que le compteur bloque, donc n'hésitez pas à relancer Bridge, si c'est le cas, ok? Voilà, donc là, on a un petit plus, vous voyez. Donc là, extracting, on a ici un petit message qui a pop, hein, vous voyez. Successfully, voilà, donc success, nickel. Et là, on clique sur export, et là, ça va l'exporter. Donc pour vérifier votre export, n'hésitez pas à aller sur votre dossier d'export. Donc pour ma part, il est dans stock global, quicksell export, et là, j'ai mon paramètre d'export. Donc pour l'instant, je vois que ce n'est pas encore fait. D'accord? Il est en cours. Hein, on l'a ici en bas. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Qui est en train de convertir. Et là, c'est bon. Voilà. J'ai eu un succès. Nickel. J'ai mon dossier qui apparaît dans mon dossier. Avec la texture, donc la diffuse, la cavity, la MSRAO, la normale DirectX, la normale OpenGL, la roughness et la spec. Donc là, ce qui me manque, c'est l'AO, clairement, de la texture. Donc ça, c'est pas grave, on l'a pas à part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'AO sur cette texture, ce qui est normal. C'est du bois verni. On a par contre une cavity. Donc voilà, donc ça, c'est des textures en fait qu'on va utiliser après sur Substance pour pouvoir texturer notre mesh. Okay, donc pour l'instant, vous le laissez là, dans ce dossier-là. On va le laisser comme ça, c'est parfait. Et on va juste renommer, ici, on va mettre Wood... On va mettre Oak, donc du coup c'est du Oak, Wood Oak, White. Voilà, on va renommer avec notre propre nom hein, pour savoir un petit peu, parce que le code, comme je vous dis, Oak Venir, on ne sait pas à quoi ça correspond, ni la couleur de la texture, ni rien. Et le code de la texture, on s'en fout, quoi. D'accord? Donc n'hésitez pas à renommer vos textures. Maintenant qu'on a notre première texture, il nous faut une autre texture hein, pour notre mesh, rappelez-vous. Donc ici on a donc des poignées en fer. Voilà, donc des poignées en fer, un petit peu, hein, c'est du bronze, on dirait un petit peu. Voilà, donc on va essayer de trouver ça en bronze. Donc on va dans métal.
Là, on a donc Ber. Donc, Ber, c'est brut, voilà. Corroded, donc avec de la corrosion. Corrugated, donc c'est plissé, en fait, un plié. Gun, voilà, pour les armes, sheet, etc. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est du Ber, donc du neutre. Et on va prendre du bronze, voilà, du brass. Mais du brass un peu plus... Peut-être un peu plus... Ouais, un peu plus terne, voilà, comme ça. Brass, comme ça, il est pas mal. Parce que celui-là, il est un peu trop doré. On va prendre celui-là. Celui-là, il est très, très bien. Voilà, brass. Et là, pareil, dans 4K, on télécharge la texture. Voilà, j'ai déjà fait mes paramètres, hein, donc nickel. Je vais pas les refaire à chaque fois. Hein. Et je clique sur export pour exporter ma texture. Voilà, je retourne dans mon dossier, donc du coup, pour vérifier un petit peu le téléchargement. Donc là, hop, stock global, quick set export. J'attends que le dossier s'affiche. Hein, donc là, il est toujours en train de faire le packing. Le packing des textures. Allez, converti donc une texture sur 5. Voilà, et là il a terminé normalement. Voilà, parfait. Et là on l'a là. Donc encore une fois, on peut identifier donc l'albédo, donc la color, la cavity. La diffuse qui est noire, donc celle-là on la supprime, hein, pas besoin de la diffuse. La metalness, on a besoin. MSRAO, normal, donc DirectX, normal OpenGL. Le preview, on peut l'enlever. La roughness et la spec. Voilà. Donc ça, c'est toutes les textures qu'on a besoin. On va mettre ici donc brass, donc ça va être blond. Oui, brass, on va mettre brass. Light, donc light, qui est un peu plus clair. Voilà, tout simplement. Brass light, nickel. Okay. Et on a notre texture de métal. Maintenant, il faut télécharger donc une autre texture qui va être donc les défauts. Donc les défauts, vous avez déjà les défauts sur substance. Je pense qu'on va utiliser la plupart du temps ceux-là. Mais si vous voulez télécharger des imperfections qui sont très importantes, il y en a 3 à prendre. Donc les 3, on va les utiliser tout le temps, hein, clairement, enfin voire 4. On va les utiliser tout le temps parce que du coup, ça permet de salir le meuble et du coup, lui donner un peu plus de réalisme. Donc je m'explique. On a donc les damage, donc les défauts de conception, donc les défauts d'usinage. Si on regarde la référence ici, on peut voir que du coup, donc le bois est plutôt propre, d'accord, parce qu'il sort d'usinage, mais on a toujours des petites imperfections, des petits impacts, des petits trucs. Et ça, c'est ce qui donne le réalisme, c'est-à-dire, ok, bah, le truc, il a travaillé, il sort pas d'usine en mode pur 100%, puis en mode bright, voilà, comme... Enfin, quelque chose de fake, il sort avec du défaut, parce que du coup, là, il y a du défaut d'usinage, il y a du défaut du bois, une petite particule de bois qui saute, etc. Donc là, on va prendre du damage. Et en damage, on va prendre donc du... donc pas du métal, on va prendre... donc pas des scratchs. Là, c'est que des scratchs, voilà, on va prendre du grunge. Donc le grunge, en fait, ça donne des espèces de petits impacts, de petites imperfections. Donc là, le grunge, comme ça peut être sympa. Voilà, des petites spots, là, c'est un peu trop... Celui-là, il est un peu trop aussi. On va prendre... Non. Ah, faut trouver vraiment un équilibre entre défaut et pas trop. Voilà, celui-là, il est pas mal. Ouais. Celui-là, il est pas mal avec des grains, un peu des spots et tout. Voilà, celui-là, il est sympa. Donc, grunge. Donc, j'ai pas la référence, hein, par contre, hein, pour vous la donner, du coup, ici. Mais, voilà, regardez au mieux le grunge qu'il vous faut. On va le télécharger. Hein, vous allez voir la référence, peut-être, en le téléchargeant. Mais celui-là, il me paraît pas mal. Vous prenez celui que vous voulez, encore une fois. Voilà, on exporte. Ok. Donc là, c'est bon. Donc on a exporté. Donc on va vérifier. Donc maintenant, dans notre dossier, donc... Deux téléchargements, donc stock global, c'est l'export. On a ici donc le grunge, voilà. Donc là, on va mettre donc un dossier, donc on va le renommer imperfection. Imperfection. Et au lieu de le renommer grunge, parce que ça veut rien dire, en fait, on va mettre impact. Impact, grunge, light. Voilà, donc léger. Comme ça, on a quelque chose de propre. Maintenant, on va télécharger donc de la poussière. Donc du coup, on va ici donc dans dirt. Dans Dirt, donc ça c'est des salissures qui sont vraiment très très présentes, hein. Donc là on va mettre Dust, vous voyez, donc ici la poussière, et Dust ça vous permet juste de rajouter une petite pellicule de poussière dessus, en fait. Donc là on va prendre du Dust, peut-être celle-là, ouais, Dust, là il y a pas mal de particules, c'est sympa, moi ouais, j'aime bien, ouais.
On va prendre celle-là encore une fois. Donc on télécharge. Ah, vous avez pu voir du coup la référence, hein, donc n'hésitez pas à faire pause hein, parce que j'ai pas regardé le code de la grunge que j'ai prise. N'hésitez pas à regarder de votre côté. Donc la DOS pareil, donc on exporte. Voilà, on attend donc que ça m'exporte ma petite texture. Voilà, donc là on va mettre donc Dust. Dust, tout simplement. Dust Light, on va mettre. Dust Light. On va la mettre dans Imperfection. Donc Dust, ensuite il nous faut donc des fingerprints, donc des traces de doigts. Donc là, pour les traces de doigts, on va pas essayer de faire le bourrin non plus. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, voilà. Fingerprints, on va prendre celle-là aussi. Donc en gros, ce qu'on peut retrouver comme défaut en fait, hein, au niveau d'un objet, si vous regardez n'importe quel objet dans la. Enfin, là devant vous, hein, même là, ce que je vois, il y a poussière, traces de doigts, forcément traces de manipulation humaine, d'accord, donc des traces de doigts. Il peut y avoir aussi donc des traces au sol, par exemple, de chiffon, d'accord, donc de comment ça s'appelle, de serpillière, pardon. Des traces de boue, des traces de voilà, pas mal de choses. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les fingerprints, donc les traces de doigts, la poussière, les défauts de conception, donc les défauts d'usinage, donc les grunge, hein, les scratch. Et ensuite, on a donc deux autres, en fait, sont les coulures, d'accord, donc le leakage, et après, on peut avoir des stains. Donc, des stains, c'est vraiment des marques de stains. Les white marks aussi, on va en prendre pour le sol, mais ça, c'est plus pour le rendu, quoi. Donc, fingerprints, ok, on télécharge. Voilà, je renommerai après. Hein. On va prendre donc ensuite le leakage. Donc, leakage, c'est les coulures. Donc, les coulures, pareil, on va pas trop abuser non plus. Hein. Prenez pas des grosses coulures comme ça, parce que sinon, c'est trop abusé. Faut prendre des petites coulures, voilà, comme ça. Là, c'est bien, ça, c'est très bien. Voilà, petite coulure, trop tranquille. Hop, on télécharge. Voilà, et on va prendre ensuite donc des stains et les white marks, et puis on est bon. Quoi. Voilà. Donc, stains, c'est les petites gouttes d'eau, hein, donc les petites gouttes stagnantes. Stain, ça veut dire stagnant. Et ça, c'est important, parce que vous allez voir, en fait, après, on va faire des tests hein, comparatifs hein, pour vous expliquer la cohérence de ça. Là, vraiment, c'est la vidéo la plus longue, parce que du coup, je donne un maximum de détails, d'accord ? Pour les prochaines, on va pas prendre autant de temps pour vous expliquer. On va juste prendre les textures, je vous montrerai comment prendre les textures, mais je vais pas expliquer à chaque fois pourquoi. Donc, les stains, pareil, on va prendre avec des petites coulures comme ça. Voilà, ça, c'est pas mal, des petites gouttes. Ouais, ça, c'est très bien. Et l'important, c'est ça qui donne le réalisme, en fait. C'est justement le défaut, en fait. La vie fait que les choses ne sont pas parfaites. En fait, il y a d'autres choses qui interagissent avec les objets. Donc, du coup, si vous posez un objet pur et neutre sur une scène, ça fait fake, en fait. Ça fait faux, parce que du coup, on se dit, OK, bah, y a pas de défaut. C'est tout parfait, c'est tout nickel. Enfin, même si vous nettoyez le truc le plus parfaitement possible au monde, c'est impossible qu'il soit 100% nickel. C'est, voilà. Et ensuite, on a donc les white marks, donc les traces de serpillière. Donc là, traces de serpillière, on va abuser un petit peu. Hein, on va faire un truc un peu comme ça, voilà, un peu aléatoire. Ça, c'est très bien. Et on les télécharge et on les exporte. Ah, donc je sais pas encore si je vais séparer les vidéos ou pas, parce que du coup, là, c'est vrai que ça fait vraiment long. Peut-être la préparation, référence, je sais pas. Je sais pas du tout comment faire encore. Soit je sépare par chapitre au niveau de la vidéo, soit je monte plusieurs vidéos, je sais pas du tout. Bon, vous aurez ma décision, vous, mais moi je l'aurai pas encore. Voilà, donc on a ici donc le brass, donc fingerprints, donc là c'est fingerprints light. Voilà, on va mettre dans imperfection. Leakage light, hein, encore une fois. Leakage light. Stains light. Voilà, et white marks light. Donc vous allez voir le temps qu'on va passer pour le texturing, en fait, à un niveau du mesh. Donc on va faire pas mal de choses. Pour un beau texturing, vraiment, il faut prendre le temps. Hein. Ça se fait en 2 minutes, hein, comme certains. Il faut vraiment prendre le temps de le faire, et du coup, d'imaginer un petit peu la vie de cet asset,
comment elle a été usinée, comment elle a été fabriquée, etc. Pourquoi il y a des défauts là, etc. Enfin voilà. Essayez de placer des éléments un petit peu de référence. Même si on ne les voit pas. Au final, même si vous êtes éloigné pour dire, ouais, bah, de toute façon, la tâche qui est là, on ne va pas la voir. Si. Parce que du coup, ça donne une petite nuance, en fait, de défaut et ça casse le côté homogène, en fait. Même si vous ne le voyez pas. D'accord? Enfin, même si on n'est pas zoomé dessus, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc là, on a toutes nos textures pour ce premier meuble. Nickel. Donc voilà, cette partie étant terminée, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. Voilà, donc du coup, on se retrouve juste après pour la partie modélisation, hein, donc déjà, sur Blender, et voir comment on peut concevoir cette magnifique bibliothèque. Donc nous voici sur Blender, donc du coup, on va commencer la modélisation de notre étagère. Donc pour commencer, on va commencer par créer un bloc qui va contenir notre meuble, d'accord? Donc c'est comme ça que je travaille en fait, hein, c'est peut-être un peu spécial, mais on part toujours, enfin, moi je pars toujours d'un bloc, et ensuite je découpe dans ce bloc pour créer mes tiroirs, mes étagères, mes choses, etc. Donc pourquoi faire ça? Parce que du coup ça me donne des mesures précises, et je respecte parfaitement les cotes de mon meuble, ok? Donc là, on a ici donc le global, d'accord? Donc des planches, hein, et on a le global du meuble. On en voit ici que la profondeur fait 35 cm, la hauteur 180 et la longueur 85. Donc là, on a le volume complet de notre meuble puisqu'on a les trois dimensions qu'il nous faut. Donc profondeur, largeur et hauteur. Donc on va prendre ici donc un plane, donc un plan. On va le scale par 2 pour avoir donc 4 mètres. On va appliquer la rotation et la taille. Donc je vais essayer de décaler ma référence un petit peu en bas, je pense. Voilà ici, pour pas que ça gêne. Et on va ici donc appliquer donc la rotation et la taille de notre mesh, parce que ici, si on regarde, quand vous scalez en fait un mesh en mode objet, celui-ci ne prend pas les nouvelles valeurs de scale, d'accord? Donc là, on a 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, d'accord? Donc 2 sur X, sur Y et Z, alors que de base, il est déjà à 2 mètres, ok? Donc si je n'applique pas mes dimensions, qui sont ici à 4, ma valeur ici est fausse, parce que là, j'ai 2 fois 4 et 2 fois 4 mètres sur Y, chose qui est faux pour Blender. Donc il faut appliquer la taille. Donc on va ici, donc objet, apply, scale. J'applique ma scale, et là vous voyez que donc la valeur est revenue à 1, donc j'ai une fois 4 mètres, une fois 4 mètres sur Y. Nickel. Maintenant on va créer donc un cube, pour avoir quelque chose en 3 dimensions. On va le monter donc de 1 mètre, donc G, Z, 1 mètre. Voilà, je vais afficher les screencasts, hein, comme ça vous avez les touches sur lesquelles j'appuie. Ce sera plus sympa. Ah, je suis désolé si j'oublie hein, parfois de les activer, mais... Hop, j'ai enlevé la référence ici. On va mettre donc voilà la color. Je vais mettre en font size, on va mettre à 30. Et le mouse size, on va le mettre à 50. Voilà, comme ça. Comme ça, vous voyez bien la souris en bas à gauche. Donc GZ 1 mètre pour la montée de 1 mètre. Comme ça, mon meuble est parfaitement au sol. Et ensuite, je vais mettre donc le point d'origine au centre de mon sol. D'accord? Donc au sol. Donc pour faire ça, vous appuyez sur Shift S. Et là, vous avez donc sélection vers curseur, curseur vers sélection, etc. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas le curseur qu'on veut changer, c'est le point d'origine. Donc comment on fait? On va ici donc dans objet, set origine, origine tout curseur 3D. D'accord? Donc je sais que mon curseur 3D actuellement est à 0, 0. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur Shift C pour recentrer le curseur au centre de la scène. Hein. Donc regardez, je vous montre. On va déplacer le curseur. Voilà, je le déplace ici, vous voyez, donc là, il est là. Je fais un Shift C, je le remets à 0. Ok? Donc, objet, cette origine, origine tout curseur 3D, hop, comme ça mon origine est au sol, et maintenant quand je vais scaler mon objet, bah, le sol sera toujours le sol, d'accord? Donc la base restera à la base. Alors que si je n'applique pas mon origine et que je fais un scale, bah, ma base va dépasser mon sol, ok? Donc objet, cette origine tout curseur 3D, voilà. Et ensuite on va taper donc, les dimensions ici donc, de notre cube, on va aller donc dans item, et on va taper donc les vraies dimensions. Donc là, rappelez-vous, on a 35 sur l'axe de profondeur. Donc l'axe de profondeur, c'est l'axe Y. Donc sur Y, on va mettre 0.35, 35 cm. La hauteur, 1m80. Donc 1.8 sur l'axe Z. Voilà. Et ensuite, on a donc la largeur, 85 cm. Donc 0.85. Et là, on a donc les dimensions de notre meuble parfaitement propres. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer à découper un petit peu les éléments. Donc là, la seule chose qui manque ici, comme dimension, hein, clairement, c'est la largeur de la planche ici, d'accord? Donc la planche du bas. Parce que du coup, on a donc la hauteur donc, sur C, voilà, qui est ici, hein, donc la hauteur sur C, parfait. Hauteur de pied plus planche.
On a donc la largeur B, la valeur de A, les tiroirs D et E. Mais on n'a pas l'épaisseur des planches, on n'a pas la dimension des planches, etc. Donc là, c'est un petit peu à vue d'œil. C'est ça qui manque, en fait, sur les références de Maison du Monde, c'est l'épaisseur des planches. Okay, donc là, on a D, 31, 26, 13. Voilà, donc on peut déduire que, du coup, le D, s'il est à 31, 26, 13, et qu'on a deux fois la valeur, d'accord, donc deux fois la... Mais deux fois la valeur du tiroir, donc on a 62, on peut déduire que du coup ma planche ici fait 62 plus la petite planche qui est ici au milieu, d'accord ? Donc je sais pas si c'est clair hein, comme j'explique, mais voilà. Donc du coup il faut vraiment calculer ça en fonction de notre meuble. Donc pour faire ça, on va déduire que cette zone-là ici, hein, donc là, voilà, ce petit débordement qu'on a là, fait à peu près 3 cm. Voilà, on va enlever 3 cm de décalage sur la gauche. Donc, j'appuie sur Tab pour passer en mode édition. Et avant de passer en mode édition, très important d'appliquer la nouvelle scale. Encore une fois, regardez mes valeurs ici, elles sont fausses, d'accord ? Elles sont à 0.42, 0.17, 0.9. Il faut d'abord les remettre à bonne échelle. Donc, objet, apply, scale. Voilà, pour appliquer la scale. Et là, on a donc les bonnes valeurs. Maintenant que j'ai ça, on va appuyer sur Tab pour passer en mode édition. Ctrl R pour ajouter donc une loupe pour couper notre première planche. Et cette planche-là, on va venir, enfin cette coupe-là, pardon, on va venir la poser contre, vous voyez, contre le bout de ma planche de départ. Donc ici, on pose cette loupe, on laisse la loupe en place, et là on va la déplacer sur l'axe X. Donc GX, d'accord, donc je déplace ma loupe sur la droite, donc GX 0.03, 3 cm, 0.03. Entrée, et là maintenant je sais. Donc ici, si je prends mon outil Edge et que j'affiche les dimensions de mon meuble, donc Edge Length, donc ici, hein, sur le petit curseur, vous avez Edge Length, la taille des edges, on peut voir que maintenant, cette portion-là fait 0.03 mètres. Donc, elle fait 3 cm. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc pour l'instant, on ne modélise pas en miroir ni rien, d'accord ? Donc là, on recrée une loupe, on la replace sur la droite, GX... 0.03, sauf que là, attention, ça va sur la droite, il faut appuyer sur moins, donc moins, pour le mettre en négatif. Donc 0.03, négatif, pour que ce soit dans le mesh. Là, on voit que du coup, il y a une fausse valeur hein, ici, donc CTRL Z, on annule, on recommence, donc Tab, hop, voilà, GX 0.03 en négatif, et là, on a bien 0.03 sur ma loupe. D'accord ? Donc faites bien attention quand vous créez des loops du côté positif et négatif. D'accord ? Donc tout ce qui est à droite de l'axe Y, hein, d'accord ? Donc l'axe Y est ici centré, donc c'est la profondeur de notre meuble. Donc en avant c'est plus Y, en arrière c'est moins Y, à gauche c'est X, donc c'est moins X, et à droite c'est plus X. Donc là je suis de gauche à droite, donc c'est plus, là je suis de droite à gauche, donc c'est moins. Ok ? Ensuite, on a donc l'épaisseur de planche du haut, donc là le haut pareil, on ne sait pas si c'est uni, mais je pense que non, en fait on a ici donc le décalage qui est là, donc du coup on va le prendre à partir de là, on va mettre pareil une épaisseur donc de 0.03 au niveau de la planche qui est là, d'accord, donc 0.03 au niveau ici de la profondeur. Donc pour ce faire, on va prendre en compte que cette planche là, elle fait à peu près 5 cm, celle du bas 4, et celle du haut 4 aussi, ouais. On va mettre 4 et 5, ouais. On va faire ça. Donc 0.03, donc là on va mettre donc CTRL R, hop, on snap, GX 0.05, voilà, pareil, donc tac, on colle, GX 0.05 en négatif, sur la gauche, là j'ai ma planche, donc ici, ensuite on a donc la planche du haut, qui est là, avec cette planche-là, hein, donc là on va mettre pareil, donc 0.08, je pense, en termes de densité, 5, ouais, on va mettre 0.08, donc là, CTRL R, on snap en haut, GZ, donc sur l'axe Z, hein, haut-bas, donc plus Z c'est en haut, moins Z c'est en bas, donc 0.08, donc là il part en haut, moins, donc négatif, on va aller vers le bas. La petite planche qui est ici, donc 0.04, GZ 0.04, en négatif, toujours hein, vers le bas. Voilà, donc là on a créé donc cette planche-là. Ensuite les étagères, on verra par la suite, parce que du coup elles sont de façon uniforme sur la plaque hein, qui est ici, donc ça c'est bon. Et là, le paramètre E, c'est quoi ? C'est les planches arrière. D'accord. Donc, du coup, on a 69.
Oui, donc là, en fait, on tombe vraiment juste, hein, parce que du coup, vous voyez, là, j'ai 0,69 sur ma planche, donc c'est-à-dire qu'on est parfaitement nickel sur la planche E. Vous voyez, 69 cm, nickel. Donc c'est-à-dire que voilà, j'ai imaginé les bonnes dimensions du meuble. 30, 33, ok. Il y en a 33,5 au niveau du E. Donc 33,5, c'est la hauteur, en fait, hein. Donc ici, on a la profondeur, donc 30. Et 33,5, donc en sachant que l'arrière, du coup, et de 35, c'est-à-dire que donc la planche arrière ici fait 2,5. Ouais. La planche arrière fait 2,5 pour arriver à 35. 1,5, pardon. Donc c'est 1,5 cm. Donc là, contrôle R, on va snapper ici. GY 0,015 en négatif. Voilà. Ce qui me donne maintenant 0,335. Voilà, pour la planche en profondeur, comme là sur E. Nickel. Donc, maintenant qu'on a ça, on va créer donc l'épaisseur de nos planches. Donc, l'épaisseur de nos planches qui sont ici. Donc, là, pareil, on va mettre 1,5 cm, hein, je pense. Hein. Si on regarde au niveau de la densité, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. On va mettre 1,5. Donc, là, tab. Hop, contrôle R. GY 0,015. Voilà. On a l'épaisseur de nos planches. Et ensuite, on a donc la hauteur ici du pied. Donc là, pareil, on ne l'a pas, hein, du tout. Donc ce qu'on peut faire, c'est voir en fait déjà les tiroirs. On va déjà regarder les tiroirs. En sachant que la planche au centre ici, elle est peut-être à 2, 3. Peut-être à 2, ouais. Peut-être à 3. Peut-être à 3. Donc on va regarder. On va regarder. Donc là, si on prend donc, la longueur, hein, donc, du coup, mes tiroirs, donc 0,69, on sait que de là à là, donc de D à D, en fait, hein, donc les deux tiroirs, ils font, rappelez-vous, 31 plus 31, donc ils font 62. Donc il me reste, normalement, 5 cm, c'est ça, non, il me reste 16 cm, pardon, 7 cm pour arriver à mon tiroir. Donc là, 7 cm, ça me paraît énorme par rapport à ce que j'ai là. Donc je pense pas que ça soit ça. Parce que si on fait 31 et 31, et qu'on décale 7 cm. On va essayer, hein. On va essayer 7 cm, mais je pense que c'est vraiment beaucoup trop. Contrôle B. Donc contrôle B, c'est pour écarter donc, les edges de part et d'autre. Hein, d'accord? Donc contrôle B, c'est un bevel. Donc 0,035 pour avoir 7 cm. Vous voyez, c'est beaucoup trop large. Donc c'est-à-dire que là, il y a un petit bug dans la matrice au niveau des valeurs. Donc si on a 69 en fond, ça veut dire que c'est moins 5. Et oui, donc là, ça veut dire que 69, c'est la largeur de mon meuble à l'arrière et de la planche au complet. Donc ça veut dire que là, on a les 5 cm en plus en prenant en compte. Ok, donc 5, 5, donc ça fait 10, 62, 72, 4. Donc on va mettre 3 cm, je pense que c'est pas mal, hein, 3 cm de part et d'autre, on va laisser comme ça. Contrôle B, 0,03. 0,015, pardon. 0,015 pour avoir 3 cm de large. Je pense que c'est pas mal. C'est même trop, hein, je trouve. On va mettre 0,02. Donc, contrôle B 0,01. Voilà, pour avoir 2 cm. Excusez-moi. Voilà, nickel. Ensuite, pour les pieds, donc là, pareil, on va définir que du coup, le pied, il fait à peu près. Si on prend donc la hauteur, on a donc 8. On va mettre 12 cm, hein, en pied. Voilà, donc là, il nous manque quand même pas mal de valeurs, hein, pour avoir quelque chose de parfait, hein, au niveau de. Quand vous me faites des mèches techniques, il faut quand même beaucoup plus de détails que ça pour le modéliser parfaitement bien. Voilà, ensuite on a donc la planche du bas, donc 0,04, la planche du haut avec 0,02, on va mettre. Voilà, donc ça c'est la petite planche qui va au-dessus, hein, donc ici hein, le renfoncement. La planche du dessus avec 0,04, voilà, ça c'est la planche de base. Ensuite, on a donc la hauteur des tiroirs. Donc la hauteur des tiroirs, on va essayer de la respecter au max. Donc là, c'est D, on a 26 et 13. Donc 26, c'est la profondeur et 13, c'est la largeur. Donc on va mettre ici donc 13. Hop. Donc 0,13. Voilà pour le tiroir. Une fois qu'on a cette planche-là, on va remettre donc notre planche-là donc à 0,04. Voilà. Même 0,03, je pense. Parce que là, c'est quand même fat. Hein. Ouais, ça me paraît quand même bien épais. Hein. Autant là.
Elle est un peu plus épaisse au niveau de la cime, mais là, c'est un peu plus bas. Donc là, on va reprendre cette edge-là. Donc Shift-Alt-Click pour sélectionner donc, la loupe au complet. GZ 0.01 en négatif. Et là, pareil, donc on va mettre GZ 0.01. Voilà. On reprend donc les deux. GZ 0.01 pour les baisser. Comme ça, on récupère donc 13 cm ici. Et là, on est à 3. Et là, à 3. Nickel. Et maintenant, pour créer donc les trois planches qui sont là, donc de façon uniforme, on va faire un CTRL-R et on va augmenter donc la loupe avec la molette donc vers le haut. Vous voyez, ici, avec la molette vers le haut. On augmente donc de 3. Comme ça, j'ai trois loupes. Je les valide là où elles sont. Hein, je ne les déplace pas. Vous faites un clic gauche, clic droit pour les valider. CTRL-B. Et là, 0.015 pour avoir l'épaisseur de mes planches. Voilà. Donc là, si j'analyse, j'ai toutes les loupes qu'il me faut pour construire mon objet. J'ai les loupes de tiroir, j'ai les loupes de planche, voilà, et j'ai les loupes de base. C'est parfait. Tout ce qui me manque, c'est les loupes ici de décalage, d'accord? Donc les loupes de renfoncement. Donc pour ce faire, on va prendre ici, pareil, une taille de 2 cm, 3. On va mettre 3. CTRL-R, GZ 0.03. Voilà. Le renfoncement ici, on va le mettre à peu près de 10 cm au niveau du pied. Donc là, on est déjà à 3. Il me semble, voilà, 3 et 5, donc on est déjà à 8. Donc là, on va rajouter 2 cm, je pense, même 3, on va mettre 3. Donc GX 0.03, voilà, là pareil, GX 0.03. Et ça va me permettre de faire juste l'arrondi de cette zone-là, d'accord? Donc je vous montrerai après comment faire. Donc 0.03, donc là on a ici donc le renfoncement qui est ici, donc tac. Cette valeur-là, on va mettre GZ 0.1, 0.01, pardon, en négatif. Voilà. Et je pense que c'est pas mal. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, donc le pied ici, pareil, donc il en manquait donc les 10 cm. Donc là, on va mettre 3, 5 et 3. Donc on est à 11. Donc là, on va décaler donc GX, GY, pardon, 0.08. On va avoir donc 0.08 plus 3. Non, là, c'est 0.15. C'est 0.15, donc my bad. Donc on va décaler de 0. C'est 0.015? Non, on a 0.03. Donc 0.015, donc il faut rajouter 0.015. Donc GY, 0.015. Voilà. Là, pareil. GY, 0.015. Donc 0.08 en négatif. GY, 0.015. Voilà. Et là, du coup, on a donc 0,095 et 0,015 qui donne 11 cm. Nickel. Donc, on applique donc la rotation de la taille de l'origine vers la géométrie, maintenant qu'on a terminé nos loupes. Et là, on va pouvoir passer à la partie donc, de conception du meuble. Donc, la partie découpe de planches et création du meuble, finalement. Puisque là, on a découpé notre volume avec les loupes. Et on va pouvoir maintenant séparer les éléments pour créer nos éléments finaux. Maintenant qu'on a séparé donc nos planches et nos coupes, du coup, on va commencer à créer donc les éléments qui constituent notre meuble. Donc là, on va commencer par le haut, hein, donc ici avec les petits décalages, vous voyez, donc les petits ornements, etc. Donc pour ce faire, on va prendre donc cette partie-là. Voilà, on va prendre donc le dessus également, donc CTRL-7, 7, pardon, excusez-moi, pour passer en vue de dessus, B pour l'outil de sélection box, et on sélectionne le dessus. On va appuyer sur P pour séparer la sélection. Je vais enlever donc les mesures de edge pour que ce soit plus visible. Voilà. Et là, on a notre première partie. Donc, on va faire un H pour la cacher. Ensuite, on va commencer par cette planche-là. Donc, du coup, la planche est constituée donc de l'épaisseur de 1.5 plus la planche au complet. On voit qu'il n'y a pas de séparation. Donc, on va prendre donc la planche au complet avec les 0.05 et les 0.03. Voilà. Hop. La planche au complet. Comme ceci. On va enlever donc la partie du dessous, donc ici. Pas celle-là, non, c'est la partie du bas. Donc on va enlever cette partie-là. Donc la partie de 0.03, celle-là et celle-là. Voilà. Hop. Donc Shift-Alt-Click hein, pour enlever donc les parties. CTRL-7 pour passer en vue de dessous. B, Shift-Click pour enlever donc les parties du dessous. Voilà. Et là, on a notre planche de côté. Là, pareil, on va prendre donc cette planche-là aussi. Donc,
Tac. Par contre, ça, c'est quoi? 0,05. Ah oui, ça, c'est pour les pieds, excusez-moi. Donc, tac, tac. Alors, contrôle, hein, shift, contrôle. Hein, voilà, encore une fois, je m'attarde pas sur les raccourcis, hein, vraiment, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas des tutos débutants. C'est, bon, voilà. C'est des tutos. Donc, P, séparer par sélection, donc les planches. H, pour les cacher. Ensuite, on a donc les planches donc du dessus qui sont là. Hein, donc, on va prendre ça et ça. P, séparer par sélection. H. Ensuite, on a donc la planche du fond. Enfin, les planches du fond hein, qui sont unifiées. Donc, du coup, ça, on la prendra à la fin. On va prendre donc les plaques hein, qui sont là. Donc, pour l'instant, on va les laisser comme ça. On va prendre juste le devant. Hein. Donc, là, là. Voilà. P, séparer par sélection. H. L'appareil, donc c'est la planche du bas, donc qui va ici, donc qui rejoint au niveau du centre. Donc là, on va prendre tout. Tac, tac. Donc, P, séparé par sélection. Voilà. H. Oups. C'est là, H. Là, c'est la planche du fond, donc du coup, on va la laisser comme ça. Ça, c'est la plaque, donc des tiroirs. Donc les tiroirs qui sont là. Donc P, séparé par sélection. H. La planche du centre qui va ici. Qui va rejoindre donc l'autre bout. Voilà. H. La planche du bas. P, séparé par sélection. Voilà. Le socle, donc on va prendre ça en totalité. Hein, donc P, séparé par sélection. H. Ça, du coup, donc ce qui est devant, bah, ça part. Hein, du coup, on enlève. Hein. Voilà. Et ensuite, on a donc la planche complète à l'arrière, voilà, qui est cette grande planche ici, hein, donc la planche E finalement, et les planches qui sont derrière les tiroirs, qu'on ne voit pas. Donc là, on va séparer donc ça. Limite, non, on peut les laisser ensemble. On peut les laisser ensemble, c'est pas gênant. Ouais, on va les laisser ensemble. Voilà. Donc là, on a toutes les parties qu'on souhaite pour modéliser notre étagère. Vous voyez, en fait, donc si on sépare les éléments, ça commence déjà à ressembler un petit peu à notre bibliothèque. Voilà. Maintenant, on va travailler donc individuellement en fait les parties. Donc on va commencer par le haut. Et ici on peut regarder qu'on a toutes les loupes de construction. Donc est-ce que c'est nécessaire de garder ces loupes de construction? Non. Les loupes de construction sont uniquement là pour vous permettre de séparer votre mesh et de le créer. Une fois que c'est créé, il faut retirer ces loupes. Alors on a deux solutions pour les retirer. Soit manuellement, donc on les sélectionne avec l'outil donc de loupe. Et on vient prendre donc chaque loupe, faire un X et faire un Dissolve Edge pour l'enlever. Ou sinon, de manière beaucoup plus simple, si vous avez un objet quadratique, et je dis bien quadratique, donc rectangulaire ou cubique, vous pouvez faire un Limited Dissolve. Donc le Limited Dissolve, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever toutes les edges qui ne servent pas à contenir le volume de votre mesh. Donc je m'explique, c'est que là, les edges qui constituent votre mesh réellement, ce sont les 8 points qu'on a là, d'accord? Donc les 4 points là et les 4 points là. Tout le reste n'a pas lieu d'être pour votre forme globale, d'accord? Donc si on fait un limité dissolve, ça va enlever tous les points sauf ces 8. Donc là, regardez, on va essayer donc dans mesh. Excusez-moi, je ne sais pas où mettre la référence. On va la mettre là. Alors mesh, clean up, donc nettoyage, hein, clean up, et on va faire un limited dissolve. Et là, tadam, j'ai que 8 vertex. Donc très important le limited dissolve à utiliser avec précaution, puisque du coup ça dépend du mesh encore une fois. Donc là c'est sur des mesh très simples, donc ça fonctionne très très bien. Mais sur des mesh plus complexes, ça peut créer des petits soucis de géométrie. Donc faire attention à ce paramètre-là. Donc ce premier paramètre-là, on va le mettre dans nos quick favoris. Vous voyez, quand j'appuie sur la touche Q, j'ai des quick favoris, donc des favoris spécifiques à la modélisation. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Et j'ai toutes mes étapes de nettoyage. Donc Degenerate Dissolve, Merge by Distance, Delete Loose, Fill Holes et Limited Dissolve. Donc pour cela, vous allez ici donc dans Mesh, Clean Up, vous faites un clic droit sur Degenerate Dissolve pour le premier, vous cliquez sur Add to Quick Favori pour vous. Ensuite, on va continuer donc avec Mesh, on va prendre donc le Merge by Distance, pareil, Add to Quick Favori, Delete Loose, Add to Quick Favori et Limited Dissolve, Add to Quick Favori et Fill Holes, Add to Quick Favori. Donc ça, c'est les quatre paramètres. Ensuite, il y en a un autre qui est. Bah, on les ajoutera au fur et à mesure, de toute façon, c'est pas grave, quoi.
Ensuite, en mode objet, quand vous appuyez sur tab, pareil, quand j'appuie sur Q, j'ai rotation et taille pour appliquer ma rotation et ma taille. Origine vers géométrie pour recentrer l'origine vers ma géométrie. Origine vers curseur 3D. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver ici. Hein, donc Apply, Rotation and Scale. Donc clic droit, Add to Quick Favori. Cette origine, donc Origine to Géométrie. Donc clic droit, Add to Quick Favori, Origine to Curseur 3D. Ensuite, j'ai le Cleanup. Donc les étapes de nettoyage pour mon fichier Blend qui sont ici. Donc File. Donc pareil, vous faites un clic droit sur le menu et Add to Quick Favori pour l'avoir ici. Ça, c'est pour nettoyer le Blend. Ensuite, on a donc les Bevel, les Normal Pondéré, la Triangulation et l'Autolissage. Donc ça, je vous montrerai après. Ok. Mais ça, c'est les Quick Favoris que j'utilise justement pour avoir, pas déplacer ma souris dans l'onglet et le faire. D'accord ? J'ai juste appuyé sur Q, je sélectionne l'option et ça le fait automatiquement. Donc maintenant que j'ai nettoyé mon mesh, vous voyez, en mode édition, donc on n'a plus que 8 vertices, donc 8 points, on peut fermer ma planche ici. Donc là, pour fermer la planche, donc je sélectionne en mode Edge, cette Edge-là à gauche, cette Edge-là à droite, j'appuie sur F, et là, ça va fermer ma forme. J'applique maintenant la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie pour recentrer mon point d'origine et mon point de masse sur l'objet. Et là, je peux modéliser maintenant les parties. Donc on peut voir qu'on a 4 étages. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc on va commencer par diviser ces 4 étages. Donc on va diviser par 3. Voilà. J'ai mes 4 planches. Et là, on va commencer à scaler un petit peu ces formes. Donc là, on peut voir que du coup, on a... même au-delà, on a même 5. Voilà. Donc ces 5-là, en fait, elles sont unifiées donc ici. Voilà. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 couches. Donc les premières couches sont identiques. Voilà, elles sont juste séparées, donc ça, on le fera après. Et ensuite, elles descendent en termes de densité. Donc là, pour faire ça, on va prendre cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Voilà, on va faire un P séparé par sélection, là aussi, hop, P séparé par sélection. Là, je sais que maintenant, j'ai une forme ouverte en bas, puisque je l'ai séparée de ma forme de base, hein. Vous voyez que là, c'est ouvert en bas. Donc, comment je fais pour la fermer? Je sélectionne mon objet et je fais un Fill Holes. Je remplis les trous, vous voyez? Et là, du coup, c'est fermé. Maintenant, ma forme est fermée. Donc voilà, parfait. Pareil ici, donc là, je sais que j'ai deux trous, donc je fais un Fill Holes, ok. Là, ma forme est fermée en haut et en bas, alors qu'avant, elle était ouverte en haut et en bas. Je vous montre. Ça, hop, voilà, vous voyez que là, c'est ouvert. Fill holes, ça la ferme, ok. Voilà, donc là, fill holes, ok. J'ai bien donc mes deux planches qui sont là, hein, donc les deux planches qu'on voit ici, hein, voilà, superposées, tac, tac. Ensuite, je vais séparer donc l'autre planche. Pareil, donc Q, fill holes. P, séparé par sélection, excusez-moi. Q fill holes, voilà. Pareil pour la planche du bas. P séparé par sélection. Q fill holes. Et là, Q fill holes. Voilà. Donc j'ai mes 5 planches. Ces 5 planches-là sont identiques. Celles-là, elles sont un petit peu plus petites au niveau du départ, puis à la fin. Donc on va faire un scale Shift Z. Et là, si je fais un Shift Z, regardez ce qui se passe. Donc là, on a actuellement donc, une forme rectangulaire, hein, tout simplement. Si je fais un scale Shift Z et que je rentre à l'intérieur, est-ce que selon vous, on aura donc la même distance entre la gauche et la droite? Non, la preuve, regardez. Ici, j'ai beaucoup plus de distance, et là, j'ai beaucoup moins de distance. Moi, je veux que la distance soit identique. Donc, comment je fais? Tout simplement, je sélectionne ma face, et je fais faire un GX 0.01 pour le rapprocher. Donc, je pense que 0.01, c'est un peu trop. On va mettre 0.005, pardon. Donc, 5 mm, là, pareil. GX 0.005 en négatif, là pareil, GY 0.05, 0.005, voilà, et là, GY 0.005. Maintenant, je peux voir que la forme est courbée, d'accord, donc elle rentre à l'intérieur. Donc pour ce faire, je prends mon outil Edge et je viens faire la même chose davantage, donc 0.005, voilà, là aussi, GX 0.005 en négatif. GY 0.005, négatif, oups. Voilà. Là, pareil, GX 0.005, en négatif. Là, je sais que maintenant, donc, cette planche-là part au-delà de ma planche de base. Donc, du coup, je peux la scaler déjà de base à 0.001. Voilà.
Hop. Et là, on va aller au-delà. Donc, on va faire GX 0.005, encore une fois. OK ? Donc là, pareil. GY 0.015. Voilà. GX 0.015. GY 0.015. Hop. Voilà. Je pense que c'est pas mal, hein, ouais. Je suis pas sûr des dimensions, hein, mais bon, là, on essaie d'improviser un petit peu. Donc 0.0015. Pardon. 0.005. Voilà. GX 0.005. C'est dommage que le screencast n'affiche pas les valeurs numériques. Hein. Donc, du coup, je vous les donne vocalement, hein, pour pas vous tromper. Mais voilà, le screencast est vraiment très, très limité. Donc, si vous connaissez un screencast qui est un peu mieux que ça, n'hésitez pas à me le donner. Hein. Je l'installerai avec grand plaisir. C'est que là, à ma connaissance, j'en ai pas. Donc là, pareil, GX, donc là, on sait qu'on a 0.03, parce que du coup, on a donc deux fois la valeur. Donc on a 0.01, donc de base, 0.02 avec le deuxième, et on a 0.03, du coup. C'est aussi large. Non, 0.025, pardon. 0.025 pour le troisième, voilà, pour le décalage. Okay. Là, pareil, donc GY, 0.025. Là aussi, GX 0.025 et GY 0.025. Ensuite, on minimise encore une fois ça. Donc GY 0.005, GX 0.005, GY 0.005 et GX 0.005. Voilà, parfait. Donc on applique donc la rotation de la taille d'origine vers la géométrie. Rotation taille, origine vers géométrie. Rotation taille, origine vers géométrie. Et rotation taille, origine vers géométrie. Il m'en manque une. Voilà, nickel. Donc là, je pense qu'on est bon. Je vérifie. Ok, 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 ok. Donc celle-là, elle est pas bonne, je crois. Ah si, ok. Voilà, parfait. Donc là, on a créé, vous voyez, donc nos 5 planches, en fait, et notre espèce d'escalier, hein, du coup, de meuble, hein, qui va voilà, tomber ici, quoi. Donc maintenant, on va voir si ça tombe parfaitement avec la forme. Donc non, vous voyez, donc c'est pas le cas. Donc le but, c'est que ça se finisse là. Là, le problème, c'est que cette forme-là, j'ai pris en compte donc, les 3 cm de décalage de ma planche qui est ici. Rappelez-vous, on a décalé 3 cm la forme qui est là. Donc si j'enlève cette partie-là, donc là et là, okay, je viens supprimer cette partie-là, je viens prendre ma planche et je la colle contre ma forme. Comment je fais ça? Bah, du coup, en activant le snapping de forme. Donc le snapping de forme, c'est un outil ici avec l'aimant que vous avez qui vous permet de snapper les éléments. Donc soit par vertex, par edge ou par face. Donc nous, on va prendre vertex. On va faire un GX et on va snapper contre la paroi. Voilà. Sauf que là, est-ce que, selon vous, les deux formes qu'on a actuellement, hein, donc la forme ici, cette planche-là et cette planche-là, sont unies? Est-ce qu'elles sont fusionnées? Non. Donc du coup, comment je fais pour les fusionner? Bah, je sélectionne tout mon objet et je fais mon nettoyage. Donc Q, dégénérer, dissolve. Là, il me trouve 0 vertice, 0 edge, 0 face. Okay. Q, merge ma distance à 24 vertices. Okay. Donc il a fusionné 24 vertices ensemble. Je refais un Q, je recommence, dégénérer, dissolve. Merge ma distance, 0. Delete loose, 0. Super, mon mesh est propre. Donc Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et maintenant, si je déplace une edge de mon meuble, ils sont parfaitement unis, vous voyez? Ils sont fusionnés, contrairement à avant où ils ne l'étaient pas. Donc là, je recommence sur la droite. On prend donc les 3 cm qu'on souhaite enlever. X, delete face. Je prends mon edge, je la rapproche avec X, avec l'outil snapping, n'oubliez pas, donc le petit aimant. On snap contre. Est-ce que là, c'est unifié? Bah non, si je prends mon edge... Bah, ça bouge tout seul, vous voyez, ça rentre dans mon mesh, là, c'est n'importe quoi, ça fait des trous. C'est pas unifié, donc je fais mes étapes de nettoyage. Dégénérer, dissolve, 0. Merge ma distance, 24. Je recommence l'étape 1, dégénérer, dissolve, merge ma distance et delete loose. J'applique la rotation à la taille, l'origine de la géométrie. Et là, j'ai ma planche. Maintenant, il faut que cette planche-là ait une épaisseur, puisque du coup, on a une épaisseur ici, rappelez-vous, de 1.5, 1,5. Donc comment je fais ça? Bah, du coup, je vais épaissir ma forme. Donc là, j'appuie sur slash pour l'isoler, hein, pour voir un petit peu ce que je fais. Et là, je vais créer une épaisseur de planche de 1,5. Donc pour ce faire, je vais rajouter mon premier modifier.
qui est un modifier de Solidify. Donc le modifier Solidify, vous allez ici donc dans Add Modifier. La référence, je ne sais vraiment pas où la mettre. Hein. Je suis désolé, je vais la mettre à côté, mais enfin voilà. Vous l'avez vous, de toute façon, donc c'est le plus important. Donc Add Modifier, Solidify, et là, ça va solidifier mon mesh. Sauf que, attention, regardez ici, ça casse mes angles. Là, j'ai un décalage, donc là, j'ai effectivement 1 cm de Solidify, donc 1 cm d'épaisseur, mais j'ai un décalage au niveau des angles. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas en Event Thickness, donc en épaisseur uniforme. D'accord ? Donc lui, Blender, il va interpréter l'angle comme un angle à 90, donc un angle brisé, 90 parfait. Et quand il va essayer de solidifier cet angle-là, il va se décaler un peu forcément, parce que du coup, l'angle, il est à 90, donc il ne comprend pas. Donc il faut cliquer sur Event Thickness pour avoir une épaisseur uniforme et du coup avoir 1 cm partout. Nous, ce qu'on veut, c'est 1 cm 15, donc 0.015. On valide. Et là, on a notre planche avec l'épaisseur. On rappuie sur slash, voilà. J'ai de l'épaisseur sur ma planche maintenant. Je peux voir que ça fonctionne. Par contre, là, j'ai l'impression que... Ah si, c'est bon. C'est marrant, on ne voyait pas l'ombre. Vous voyez, quand je suis comme ça, on ne voit pas. Ok, bon. Donc, maintenant qu'on a ça, on va continuer à modéliser notre mèche, hein, du coup. Donc là, la planche arrière, rappelez-vous, on a ici donc les valeurs encore hein, qui sont dessinées. Donc ça, on fera un clean-up après. Donc je vais regarder donc l'épaisseur de ma planche derrière. Donc la edge length, 0.015. Ok. Je prends ma planche à l'arrière. Je rajoute un solidify, hein, une épaisseur, et je tape 0.015. Donc là, est-ce que c'est justifié par rapport à ma référence ? Non, parce que du coup, je vois sur ma référence que la planche est plus fine pour laisser une petite bordure. Donc au lieu de mettre 0.015, on va mettre 0.01 pour avoir ce petit décalage qui rend plus joli et qui donne un peu plus de réalisme pour voir que c'est pas soudé ensemble et que c'est vraiment posé dans une rainure qui est assemblée, quoi. Voilà. Là, on voit hein, qu'il y a une zone d'ombrage ici, hein, donc de là-haut, qui est ici. Donc ça veut dire que la planche n'est pas unifiée. On peut même mettre 0.05. 0.005, pardon, pour avoir un peu plus d'épaisseur. Voilà, je pense, c'est pas mal. Voilà, et après... Voilà, on va le laisser comme ça, c'est pas mal. Voilà, Event Thickness, hein, on n'oublie pas, donc épaisseur uniforme, même si c'est plat, c'est toujours intéressant d'avoir l'épaisseur uniforme, et là, on est bon. Maintenant, comment je fais pour créer cette planche-là? Parce que là, du coup, j'ai deux planches qui sont dissociées, ok, mais on voit ici que cette planche-là, elle n'est pas unie, d'accord? Elle est creuse. Ah, je sais pas, on voit pas la planche. Si, là, on la voit. Voilà. Vous voyez qu'en fait, là, la planche n'est pas unie. Enfin, c'est juste des barres, d'accord? Donc, une barre d'épaisseur. Donc là, pareil, on va donner une épaisseur de 0.015 pour cette planche, pour l'unifier avec la valeur qu'on a là, vous voyez? Donc là, on a ici donc la planche qui commence ici, parfait, et qui se termine là-bas. Ça, par contre, j'avais pas remarqué que du coup la planche elle finissait après le truc. Très bizarre comme façon de faire, mais ok. Ah non, c'est bon. Non, non, elle finit là. Ok. C'est la référence qui est pas bonne. Donc là, on va prendre donc une épaisseur encore une fois, donc un Solidify, et on va taper 0.015 pour avoir donc l'épaisseur de ma planche en Event Thickness toujours, et on est bon. Ensuite, on va créer donc les étagères. Donc les étagères, on peut voir que du coup, pareil, c'est des planches qui sont associés, vous voyez, ensemble, et il y a une planche qui vient dans le creux de ces planches-là, vous voyez, qui sont associées. Donc pour faire ça, c'est assez simple, c'est que on va prendre donc nos planches d'étagère, qui sont là, on va solidifier la structure, donc 0.015, voilà, c'est l'épaisseur standard, hein, du coup, de notre meuble, vous voyez, en fait, ici, hein, donc l'épaisseur des planches, voilà, 0.015, et ensuite, avec l'aide donc de ce mesh-là, vous voyez qu'on a ici hein, donc la planche, on va pouvoir créer les autres. Sauf que, pour l'instant, ce n'est pas appliqué. C'est-à-dire que là, j'ai les valeurs qui sont ici, vous voyez, donc j'ai les barres qui sont là, mais je ne les ai pas ici. Pourquoi ? Parce que le Solidify se fait de façon positive, vous voyez, donc là, il est en plus, hein, il se fait de façon positive par rapport au mesh. Donc, c'est-à-dire qu'il va créer de la géométrie devant ma forme de base, et du coup, je n'ai plus accès à mes valeurs ici. Donc, pour avoir accès à mes valeurs-là, il faut que j'applique le Solidify, donc sur ces planches, et là, je les ai devant et derrière. Je valide mon épaisseur. Ok ? Pareil pour là, j'applique mon Solidify. Maintenant, je peux récupérer mes planches sans problème,
ici. Tac, tac. Hop, voilà. Pareil de l'autre côté. Hein. Pour l'instant, on travaille pas en miroir, hein, c'est volontaire. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu les manips. Je fais un Shift-D pour dupliquer ma sélection. Shift-D pour dupliquer la sélection. Je la laisse en place avec le clic droit. Je fais un P pour séparer ma sélection, pour les isoler. Et maintenant, j'ai ma planche et mes nouvelles planches que j'ai séparées. Je les sélectionne. Je sélectionne ma planche de devant, qui a, elle, un Solidify à 0.015, rappelez-vous, en Event Thickness, on n'oublie pas de cocher. Et on fait un CTRL-J pour les Join. Sauf que là, regardez ce qui se passe. C'est que là, mes planches, elles partent à l'intérieur de mon meuble. Pourquoi ? Pourquoi elles ne partent pas à l'extérieur, comme là ? Parce que les normales sont inversées. Donc, qu'est-ce que c'est les normales ? C'est la position de votre face par rapport à l'objet. Donc, si je regarde ici donc les normales, on va passer ici donc en face orientation, donc les normales, et que j'enlève mon Solidify, on voit que du coup, la partie rouge, celle qui est en négatif, d'accord ? Donc, celle qui est en rouge, c'est la partie négative des normales, va être solidifiée. Donc, elle va être poussée vers l'extérieur pour donner une partie bleue. Regardez, je coche, ça donne une partie bleue. Donc la partie rouge devient bleue. Et là, pareil, sauf que là, la partie rouge, elle est à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur. Donc comment je fais pour la recalculer à l'intérieur ? Bah, j'appuie sur Tab, tout simplement. Je sélectionne les planches que je souhaite inverser au niveau des normales. Et j'appuie tout simplement sur Shift-N. Shift-N va permettre de recalculer les normales et du coup de les replacer dans le bon sens. Maintenant, je réactive le Solidify et là, magie, les planches partent à l'intérieur comme ça devrait être. Nickel. J'ai mes planches qui sont propres. Ok ? Maintenant, pareil pour le fond, on recommence hein, la même manip. Donc du coup, on sélectionne les planches du fond, on prend ça, hop, là aussi. On fait un Shift-D, on duplique, on laisse en place avec clic droit, on fait un P pour séparer par sélection, je sélectionne, je veux que les normales partent à l'intérieur, donc que les faces rouges soient vers moi, donc je passe en mode Edit, je sélectionne, j'appuie sur Shift-N pour inverser les normales, et je sélectionne mon objet en rouge, l'objet avec le Solidify, et je fais un CTRL-J pour qu'il récupère le modifier et qu'il fasse partie du même objet. Parfait. Maintenant, pour poser mes planches dessus, il faut que je crée donc déjà une épaisseur de planche et aussi une rainure pour l'accueillir, cette planche. D'accord ? Puisque la planche est à part. Là, si on regarde donc les planches ici, excusez-moi, hop, on voit que du coup, vous voyez, c'est des planches en fait de contour et ensuite, on a une planche posée par-dessus. Est-ce que la planche est uniforme ? Bah, là, on ne peut pas trop voir. Malheureusement, on ne sait pas si c'est une planche, mais effectivement, là, on voit qu'il n'y a pas de rainure, hein, normalement. Donc, on peut supposer que ce n'est pas une planche unifiée. Donc, pour faire ça, comment on fait ? On va faire un slash. On va isoler donc, ces étagères. Et là, le but, c'est de couper dans la matière, d'accord ? Donc, une certaine épaisseur, pour pouvoir les unifier et les solidifier ensemble. Donc, je m'explique. C'est que là, actuellement, on a 0.015 d'épaisseur. Moi, je veux une épaisseur de planche de 1 cm uniquement. Donc, j'applique mon Solidify. Je nettoie mon mesh, donc d'abord, rotation taille, origine vers géométrie, très important, rotation taille, j'applique la scale de mon mesh tel qu'il est, origine, je recalcule le centre de masse de mon objet, j'appuie sur Tab, je viens faire mes étapes de nettoyage, donc avec la touche Q, dégénérer dissolve, j'en ai pas, merge ma distance, j'en ai pas, delete loose, j'en ai pas, ok. Qu'est-ce que j'ai de plus ? Bah, j'ai de la géométrie qui sert à rien, j'ai mes lignes de coupe, donc ça, c'est un limited dissolve. Voilà. Je récupère un mesh propre. Je réapplique encore une fois rotation taille, origine vers géométrie pour recalculer le nouveau mesh sans la géométrie parasite et là je peux travailler. Donc CTRL R, on va couper donc ici, on va le snapper en haut, on va faire un GZ 0.01. Voilà. Maintenant que j'ai ma ligne de base, on va faire un CTRL R, on va snapper directement avec l'outil de snapping, d'accord ? Donc l'outil aimant. CTRL R, je snap. CTRL R, je snap. Voilà. Et là, j'ai toute ma forme qu'il faut. Maintenant, comment je fais pour unifier donc, mes planches ? Bah, du coup, tout simplement, je vais partir donc, de cette forme-là, en fait. Hein. Donc, vous voyez, ici, on a un décalage hein, par rapport à la planche. Donc, comment je fais pour prendre en compte ce décalage-là et créer ma planche sans problème ? Bah, tout simplement, en l'unifiant, en fait. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est créer une coupe en fait, supplémentaire, donc ici, pour unifier la planche. On va faire un CTRL-R, donc là. On va snapper donc, cette coupe ici. Pareil de l'autre côté.
Voilà, oups, pardon, je me suis trompé. Voilà. Ah bah là, ça va jusqu'à la fin. Oui, parce que le décalage, du coup, ici, il est à 0.015. Comment ça se fait que là, il est plus décalé que l'autre? C'est ça que je comprends pas. Ah oui, parce qu'il est plus en renfoncement. Okay. Il est par-dessus. Okay. Il est par-dessus, donc il y aura juste cette formule-là en fait, à comprendre. Donc là aussi, CTRL-R, snap, donc là. Celle-là, ça sert à rien pour l'instant de la faire, on va faire que sur une seule. On va prendre donc la face qui est ici, delete. Là aussi, delete. Là. Là. Voilà. On va faire donc l'outil vertex, enfin l'outil arête, pardon. Et on va prendre donc cette arête-là et cette arête-là, on va les faire à F pour les fermer. Voilà, pour les unifier. Pareil ici. F. Pareil là, F, et pareil sur la fin avec F. Maintenant, je peux fermer une géométrie quadratique avec toujours 4 points, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, quad, la F et la F. Voilà, donc très important de bosser en quad, parce que du coup, ça vous permet d'avoir des géométries constantes et propres, ok? Là, pareil, donc du coup, je veux fermer cette zone-là, donc j'appuie sur F, vous voyez, ça la ferme automatiquement. F et F. Voilà. Et là, j'ai créé ma planche, vous voyez, avec non seulement la rainure, l'unification de la planche et l'uniformité, et du coup, la découpe pour accueillir ma planche uniforme. Parce que du coup, encore une fois, on regarde, la planche est uniforme, elle n'est pas posée sur des planches, elle est creuse, mais elle est uniforme, quoi. Voilà. On peut voir hein, qu'elle est creuse, vous voyez, mais uniforme. Nickel. Donc, maintenant qu'on a ça, bah, du coup, j'ai envie de la dupliquer ici. Donc, comment je fais? Bah, je vais séparer cette planche-là individuellement. Donc on va faire un L, Shift S, curseur vers sélection. Q, origine vers curseur, n'importe quoi. On va faire un P, séparé par sélection, excusez-moi. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Donc là, l'origine est là. Maintenant, je sélectionne mes planches du bas, donc L, 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 L. Shift S, curseur vers sélection. Donc je mets mon curseur au centre de cet objet-là que j'ai sélectionné. Je prends ma planche, Shift D. Shift S, sélection vers curseur. Et là, c'est snappé. Maintenant, je vois qu'il y a un décalage, donc comment je fais pour la replacer? Bah, je fais un GZ et je le snap en haut de mon vertex. Et là, pareil, Shift D, GZ, et je snap en bas, tout simplement. Je reprends ma forme qui n'est pas découpée. Ok, celle-là, celle-là, hop, voilà, et je la supprime. Et là, j'ai mes trois planches propres. Voilà. Donc là, par contre, celle-là, pourquoi elle est décalée? Ah oui, parce que je l'ai décalée sur Z. Ah là là. Ah, excusez-moi, donc je recommence, du coup. Donc GZ. Là, on est bon, ouais. Donc Shift-D, GZ. Voilà. Faire attention où vous snappez, en fait, parce que du coup, le snapping, il n'est pas toujours propre si vous ne bloquez pas l'axe, en fait. Donc là, j'ai pas bloqué l'axe Z, et du coup, ça m'a décalé ma planche. Donc faites bien Shift-D, GZ. Donc pour bloquer l'axe Z et après la déplacer, parce que sinon ça part en cacahuète. Maintenant que j'ai mes trois planches, donc je vais faire un CTRL-J pour les join, Q, rotation taille, origine vers géométrie, et là j'ai mes planches propres. Nickel. Pour le bas, on va faire une planche uniforme, donc pareil, donc on va faire un clean-up, donc Q, limited dissolve, je prends mon edge de face, je fais un F, je sélectionne les côtés, F, 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 je ferme ma planche, nickel, ma planche est faite. Mes tiroirs, on verra ça après. Là, on va former donc, cette structure-là, donc pareil, on va prendre donc, cette partie-là, F, 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 on ferme, voilà, j'ai ma planche. Le socle, on le verra après aussi, donc là, on va séparer donc, ça, on va faire un P séparé par sélection. Cette partie-là, du coup, on va la laisser uniforme, parce que là, si on regarde la référence, en fait, la bordure, en fait, vous voyez ici, elle se finit là. Donc du coup, il y a 3 cm de décalage ici. Il faut vraiment bien le prendre en compte, parce que sinon ça va tout foirer. Quoi. Donc là, on va faire ça. Est-ce qu'il y a une séparation? Donc non. Ok. On va faire ça et ça. Donc là, on va prendre donc, cette forme-là, on va faire un limited dissolve, pour enlever donc, la géométrie qui ne sert à rien. Là, on sait que du coup, cette partie de devant, elle est quasiment dessus, mais légèrement courbée. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc on va faire un GZ... GY, pardon, 0.03.
pas si je fais la même, le même dénivelé ou pas. Parce que là, c'est un peu moins quand même. Non, on va mettre 0.01, excusez-moi. 0.01 au niveau du devant. Voilà. Pareil pour l'arrière. Hein. Donc, GY 0.01. Voilà. Le côté, c'est OK. Et là, on va snapper, du coup, bah, la bordure, en fait, hein, tout simplement, sur le meuble. Donc là, GX, on snap. GY, on snap. GX, on snap. GY, pardon. On snap. Et GX, snap. Voilà, nickel. Ensuite, on va créer donc le dénivelé qui est là. Donc, la petite bordure qui est ici. Donc là, CTRL R. On va mettre trois loops. Ouais. Est-ce qu'il y a trois loops? Ouais, il y a trois loops. Donc là, tac. Donc cette partie-là, elle va se resnapper donc ici. Sur X. Voilà. Celle-là sur Y. Donc GY, on la snap avec elle-même. GY, on la snap avec elle-même. GX, on la snap ici. Voilà. Celle-là, elle va être alignée par rapport à l'autre, donc au niveau de sa structure, donc derrière. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ça. GX, on va mettre là. GY, là. GY, ici. Et GX, là. On reprend donc toute la base. On va faire un F pour fermer cette structure. On va faire un Q, rotation de taille originale géométrie. Et là, j'ai envie de donner un petit peu de rondeur, en fait, ici, hein, donc à cette partie-là, pour pas que ça soit aussi brut, d'accord? Parce que là, c'est pas le cas, hein, sur ma référence. Donc, pour faire ça, vous faites un CTRL R, vous faites un scale, vous grandissez un peu la forme, donc ici, de façon, pas homogène, mais un peu uniforme, hein. Donc, du coup, soit vous décalez l'arête de façon uniforme, soit vous tirez comme ça. Voilà, ça dépend de vous, hein. Donc, moi, je vais faire avec les vraies valeurs. Donc, GX, on va mettre 0.03. Voilà. GY 0.03 pour avoir quelque chose d'uniforme. GY 0.03. Voilà. Et GX 0.03. On applique donc la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie. Très important. Je sélectionne tout le contour et là je fais un CTRL-B. Donc le CTRL-B, au lieu de séparer les edges, comme là, vous voyez, en fait, il va rabattre la forme. Sauf que là, faites attention, il va dépasser la forme. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas de troncature. Okay, donc pour enlever cette troncature-là, vous validez le bevel n'importe comment, hein, vous le validez comme ça, voilà. Vous allez ici donc dans bevel, et vous cliquez ici donc clamp overlap. Voilà, pour éviter l'overlap. Vous faites un CTRL-Z, vous refaites un CTRL-B, et là maintenant, il va s'arrêter avant l'overlap, vous voyez, il s'arrête à sa limite. Vous augmentez la quantité de loop, voilà, et là vous avez votre bordure ronde. Donc là, je vois qu'elle est beaucoup trop dense, hein, donc je pense que 0.03, j'ai un peu abusé. Donc on va réduire ça. On va mettre GX 0.02, je pense. Enfin, 0.01, pardon. 0.01. GY 0.01. Pardon. 0.01, voilà. On applique donc rotation de taille origine vers géométrie, on sélectionne tout, le clamp overlap est toujours activé, voilà, on tire, et du coup on peut créer la bordure. Donc là encore une fois, ouais, la bordure est vraiment trop basse, hein, je trouve. Non, on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça. Là, je la trouve vraiment trop basse. On va faire un GG. Donc le GG permet de slide en fait la bordure, vous voyez. Donc GG, on va la slider un petit peu à l'intérieur, comme ceci. Et là on va faire un CTRL-B. Voilà, là c'est mieux. Vous voyez, donc là, ça la clamp automatiquement, et du coup, là, on a notre bordure. Donc, GG, ça permet de slide votre bordure, et du coup, de lui donner un angle un peu plus doux, quoi. Voilà, là, c'est pas mal. Ouais. Donc, maintenant, on va faire un petit clean-up. Donc, dégénérer, dissolve, merge by distance, delete loose. OK. Rotation taille, origine vers géométrie. Et là, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est une petite bordure un peu sympa, ouais, j'aime bien. Nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on va créer donc les pieds. Donc les pieds, rappelez-vous, on a donc cette partie-là qui est coupée à ce niveau-là, et ensuite on a une courbure. Donc pour faire ça, c'est assez simple. C'est qu'on va créer de la géométrie supplémentaire pour créer cette petite bordure finalement. Donc là, on va supprimer les parties qu'on ne veut pas. Donc celle-là, voilà, on les supprime. Je vais faire un slash, hein, pour isoler la pièce. On va supprimer donc le socle, hein, parce que le socle, du coup, on n'en a pas besoin. Donc, CTRL-7 pour passer en vue de dessous. On sélectionne toute la base avec B. On la supprime. Voilà, on garde que les contours.
On va supprimer également cette partie-là du centre. Voilà. Cette partie-là ici. OK. Et cette partie-là. Et là, maintenant, le but, c'est de créer donc l'arrondi entre les deux formes. Donc, comment on fait ? Bah, tout simplement, on sélectionne le point là et on va faire un CTRL-SHIFT-B. Sauf que là, si on regarde la forme hein, ici, donc on a un décalage donc de là à là. Donc ce décalage-là, en fait, il faut supprimer cette barre qui est ici. Parce que c'est L, en fait, qui est pas bonne. Donc là aussi. Enfin, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est là que je veux. Voilà. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Là. Et là. Et là, on va faire un CTRL-SHIFT-B. Donc de là à là. Pour créer donc justement cette fameuse bordure. Donc CTRL-SHIFT-B pour créer donc l'arrondi. Sauf que là, vous voyez, l'arrondi se crée donc à l'inverse. Donc moi, ce que je veux, c'est à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va créer donc ici une loupe supplémentaire. On va la... Ouais, je sais pas, après la taille, on va la faire comment ? On va la faire ici avec cette valeur-là. Donc là, cette valeur-là, rappelez-vous, hein, c'est le renfoncement. Donc on a 0.03, donc on va faire la même chose. Gx, enfin gy 0.03. Voilà. Gy 0.03. Là, pareil. Gy 0.03. Et g. Gy 0.03 en négatif. Voilà. Comme ça, on a donc le renfoncement. Et après, voilà, donc pour faire la courbure, en fait, donc ici, donc de cette partie-là, finalement, vous supprimez l'edge qui est là. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, le 0.03, il va pas prendre le décalage, en fait. Ou si, attendez, on va tester. On va tester parce que pour moi, il faut qu'il s'arrête avant, en fait, le pied. Donc, il faut refaire une loupe de 0.03, normalement. On va tester, hein, parce que là, je suis pas sûr de mon coup. Mais si on fait CTRL-SHIFT-B, donc CTRL-SHIFT-B permet de faire un bevel de vertex. On peut adoucir, vous voyez, la forme et lui donner un rond. Donc là, je vais faire, hop, comme ça. Vous voyez ? Ça adoucit ma forme. Le problème, c'est qu'il va s'arrêter au niveau des points de jonction ici, quoi. Donc, ce qui est pas trop mal, mais c'est pas le but non plus. C'est pas le but non plus. Donc là, en sachant que le clamp overlap, en fait, si on le décoche, oui, en fait, on peut l'étendre davantage. Donc c'est ça que je veux. Mais, pas autant. Ah, quoique. Oui, si, après, c'est pas important, en fait, le autant, quoi. On va juste augmenter la quantité de loop. Donc, CTRL-SHIFT-B. On va augmenter la quantité de loop. Voilà, on va tirer jusqu'à la fin. Et on va augmenter, donc, les loops. On va les mettre, par exemple, par... là, je suis à 5. Ouais, 5 segments, c'est pas mal. On tire. Et on essaie de créer l'arrondi qu'on souhaite. Voilà, tout simplement. Donc là, ça me paraît pas mal, hein, je pense. Donc on a 0.04, donc on va mettre une valeur fixe, 0.04. Voilà, comme ça on est sûr. Et là, on va faire la même chose partout. Pareil. Donc là, on supprime ça. Hop. On prend cette partie-là, CTRL-SHIFT-B, 0.04, et on est bon. Vous voyez ? Et du coup, ça crée mon arrondi directement sur le pied. Donc là, pareil, donc cette forme-là, on va la supprimer donc ici, tac, là aussi, hop, on peut prendre les deux formes en même temps, si vous voulez, hein. Donc celle-là et celle-là, CTRL-SHIFT-B, 0.04, voilà, et puis là, on est bon, franchement, il n'y a aucun souci avec ça. Ok, là aussi, donc tac, hop. Voilà, sauf que là, après, vous allez voir, on va avoir des problèmes de géométrie, en fait, en faisant ça. C'est fait pour. Il faudra la corriger. 0.04. Là, CTRL-SHIFT-B. 0.04. Voilà. OK. Et pour finir, l'arrière. Voilà, nickel. Donc maintenant, on va faire un Degenerate Dissolve Merge by Distance. Donc Degenerate Dissolve va permettre de nettoyer mon mesh, hein, faites-le, parce que du coup, on a fait un bevel sans clamp, donc du coup, il va dépasser les limites. Donc très important de faire un Degenerate Dissolve. Maintenant que je l'ai fait, j'ai eu de la géométrie qui a été enlevée. Merge by Distance, OK. Delete Loose. J'applique la rotation de la taille origine de la géométrie. Je recommence. Degenerate Dissolve, Merge by Distance, Delete Loose. C'est bon, mon mesh est propre. OK. Sauf que là, maintenant... Le problème qui se pose, c'est que, vous allez voir après, hein, le problème qui va se poser, c'est que là, maintenant, donc, on va donner de l'épaisseur à ça. Donc là, on va mettre donc, 2 cm, je pense, au niveau du socle, 0.02, voilà.
en event thickness, donc en épaisseur uniforme pour ne pas avoir de bug à ce niveau-là. Sauf que là, regardez le bug qu'on a. On a de l'overlap de géométrie ici. Pourquoi ? Parce que on a des points qui sont beaucoup plus fins que notre géométrie actuelle. Donc là, si je regarde donc, la taille, donc l'épaisseur de mon edge ici, hein, regardez, on a 0.015. Là, je lui demande de faire un solidify de 0.012, donc du coup, il ne comprend pas. Donc là, il faut nettoyer manuellement le mesh, donc au niveau des lignes qui ne servent pas. Donc il n'y a que celle-là, hein, du coup, hein, donc les lignes d'angle, les lignes centrales, les lignes de côté. Donc là, je ne peux pas faire de limité dissolve. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va détruire tout ça. D'accord ? Donc toute la géométrie qui est là, ça va la détruire. Donc c'est pas le but. On va juste enlever ce qu'on n'a pas besoin. Donc manuellement, il faut identifier la géométrie qui n'est pas connectée. Voilà. Donc là, on a ici donc ça, ça, voilà, ça c'est bon. On fait un dissolve edge. Hop. Et là, j'ai corrigé mon bug de overlap de solidify. Ok ? Maintenant qu'on a ça, on va refaire un slash pour voir un petit peu où on en est. Ok, bon, ma forme est propre, hein. Ouais, ça me paraît pas mal. On va refaire un slash. Et là, le but, c'est de connecter les edges ensemble. Pourquoi ? Parce que ensuite, quand on va passer donc, dans l'étape d'optimisation et d'embellissement du mesh, on va faire quelque chose qui s'appelle un bevel d'embellissement et une pondération des normales. Donc, je vous expliquerai après, en temps voulu, hein, ce que c'est, mais ça va améliorer grandement le mesh. Donc, ça, on verra par la suite comment corriger les bugs de pondération et de géométrie. Pour l'instant, on va terminer notre mesh avec les tiroirs. Donc, les tiroirs, pareil, on peut identifier que les tiroirs dépassent légèrement du meuble, donc de 1 cm. Donc, on va les décaler GY 0.01. Voilà. On va les solidifier, ces tiroirs. 0.01, comme ça, il tombe parfaitement dessus. OK. On voit que le tiroir est légèrement courbé, donc ici à l'intérieur, donc du coup, on va créer cette partie-là. Donc, on applique le Solidify en Event Thickness, et là, on vient minimiser la taille des tiroirs. Donc là, on va faire un Limited Dissolve. On prend l'edge de gauche, on va faire un GX 0.01. Voilà. On prend les deux edges de droite, on va faire un GX 0.01. En négatif, s'il veut bien. Voilà. Pareil ici, donc GZ 0.01. Et pareil ici, GZ 0.01. On va créer donc la courbure, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, pour créer la courbure, on crée donc une loupe centrale. Voilà. On va faire donc ici en origine individuelle, scale. On va les scaler un petit peu en origine individuelle. Comme ceci. Hop, on va faire un CTRL B. Voilà. On va activer le clamp, hein, parce que du coup, vous voyez là, ça dépasse ma géométrie, donc du coup, ça me fait n'importe quoi. Donc, clamp overlap. OK. Là, on voit que c'est beaucoup trop, donc on va faire un GG. Hop, CTRL B. Voilà, encore un petit peu. GG. Oups. CTRL B. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On va réduire un peu les loops, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. CTRL B. On va réduire à 3. À 2 même. 2, c'est largement suffisant. GG. On va slider un peu. Voilà. Voilà, parfait. Hop. Et là, on a notre arrondi de tiroir. Nickel. Maintenant qu'on a ça, donc on va créer donc, le planche de tiroir à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire en sachant qu'on va pas les ouvrir? Oui, on va quand même donner la possibilité à notre acheteur, hein, du coup, de pouvoir ouvrir les tiroirs. Okay, donc on va faire un slash. Maintenant, on va créer donc le tiroir intérieur. Donc du coup, on va laisser une épaisseur donc de 1 cm de chaque côté pour créer donc nos planches et un décalage de... Oui, ici de 1 cm, je pense, c'est pas mal. Ouais. On va créer ça. Donc là, on va prendre donc ça. Ça, on va faire un inset. Donc le inset permet de créer de la géométrie interne à notre face, d'accord? Et du coup, on va taper 0.01. Voilà, ça permet de créer un inset, donc une planche supplémentaire. On recommence, donc inset 0.01. Voilà, et là, on va créer donc nos planches de tiroir. Sauf que là, on peut voir que du coup, la planche qui est ici, hein, de notre tiroir, sera courbée à 45 degrés. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut une planche à 90. Donc comment on va faire? On va faire un CTRL Z. On va créer nous-mêmes nos loops. Sauf que là, si je me rapproche du coin, vous voyez que ma loop va avoir tendance à se courber. Vous voyez, elle se courbe en fonction de mon rapprochement. Comment je fais pour éviter ça?
que du coup elle se courbe, bah, je vais faire un scale x 0, je valide avec entrée, et là je la déplace. Et vous voyez, là elle bouge pas. Donc je vais la snapper contre ma paroi ici, gx 0.01, 1 cm, et là on est bon. J'ai ma loupe droite. Donc je recommence, CTRL R, c'est courbé, ça suit la courbe de ma géométrie forcément. Donc je la laisse en place, je fais un scale x 0, je l'aplatis à 0, entrée, et là je la déplace sur x. Gx 0.01, voilà. Pareil pour le bas, vous voyez, là ça se courbe, scale z 0, entrée, gz, je snap, voilà, et je remonte. Voilà, et là j'ai mes planches de 1 cm. Donc cette planche-là, on va la séparer avec celle-ci, donc on va faire un Shift-D, P séparé par sélection, celle-là aussi, Shift-D, P séparé par sélection, on va prendre cette partie-là, Shift-D, P séparé par sélection, on va prendre ces trois-là, donc, enfin ces trois parties, hein, donc le contour Shift-D, GY, point 29, voilà, donc 29 cm, et maintenant on va fusionner ces parties-là, donc ensemble, CTRL-J. Cette planche-là, on va la poser dessus, là. Cette partie-là, avec cette partie-là, on va faire un CTRL-J également. On va faire un tab, et là, on va fusionner les parties entre elles. Donc F. Voilà, F, F, F. Nickel. Pareil pour celle-ci. F. F, F, F. Là aussi. Là. Là, il m'en manque. Donc, slash, slash, hein, du coup, pour voir un petit peu. On va faire un Alt, Shift N pour recalculer les normales, hein, très important. Et là, on va faire un F aussi. Voilà, nickel. On va faire un Limited Dissolve pour enlever donc les géométries qui ne servent à rien. Là, on est bon. Il n'y a que cette loupe-là qu'on doit enlever. Dissolve, voilà. Là aussi, du coup, hop. Là, on est bon, donc H. Le tiroir, on est bon quasiment, il faut faire juste un Shift N pour recalculer donc, la planche ici. Cette planche-là, on va lui donner donc, un Solidify de 1 cm, voilà. En Event Thickness, on l'applique. Et là, vu que tout fait 1 cm, on peut faire un CTRL-J sur l'entièreté du tiroir pour le fusionner. CTRL-J pour avoir un tiroir seul. On va faire un Alt-H, on va prendre donc, cette plaque-là. Et du coup, le but, c'est de décaler donc, le tiroir en deux. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que on va prendre donc, cette forme-là. On va faire un Shift-S, curseur vers sélection, Q, origine vers curseur 3D. Je prends mon tiroir et je prends l'intérieur du tiroir. Voilà, je fais un CTRL-J. Voilà. Je reprends cette partie-là, je fais un Shift-S, curseur vers sélection. Et là, je supprime cette partie-là. Voilà. Je fais un Shift-S, Shift-D, pardon, je duplique mon tiroir, Shift-S, sélection, faire curseur. Voilà. En gros, je duplique mon unification de tiroir, comme ça, quand je l'ouvre, vous voyez, j'ai mon tiroir entier, et là aussi, mon tiroir entier. Voilà, j'espère que c'est pas trop bizarre, hein, comme ce que je viens de faire, mais voilà, n'hésitez pas à revenir dessus, à remettre en pause. Hein. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai calculé le centre de mon tiroir 2 qui n'était pas complet avec le tiroir arrière, pour le dupliquer et le redéplacer sur le bon endroit. Quoi. Ah, donc très important de laisser séparer les tiroirs pour pouvoir les ouvrir après dans le projet que vous voulez. Okay, et de pareil, les planches, les laisser séparer pour ça. Quoi. Donc la slash, on va finir cette planche-là du bas. Donc la limited dissolve, on prend ça F, 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 F. Et là, on est pas mal. Là. Ouais, il y a juste un petit bug là, je crois, sur cette partie-là qui n'est pas unifiée, ouais. Parce qu'elle n'est pas fermée. Donc là, F. Et voilà. Notre mèche est parfaitement fait. Il y a juste cette partie-là qui me gêne un peu, parce que du coup, donc voilà, elle n'est pas assez grande au niveau de la surface de décalage, donc ici. Donc ça, ça me gêne un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un scale X. En sachant que là... Je ne sais pas si, en fait, bah, si, la planche, elle est forcément plus grande. Donc de côté, c'est bon, c'est plus sur l'axe X, que c'est pas bon, enfin sur l'axe Y, pardon. On va faire un scale Y, et on va augmenter la taille jusqu'à la pointe là du truc.
Voilà. Même si l'arrière, je suis pas fan que ce soit aussi décalé. Non, la limite, ce qu'on va faire, c'est que... Non, on va faire autrement, excusez-moi. C'est que ça, on va le mettre, donc... Ah, mais ça va faire un gros décalage. Le problème, c'est qu'en fait, l'armoire, quand on la regarde, en fait, au niveau de la référence, on sait pas si le fond, en fait, il est vraiment courbé de ouf, quoi. Ça a pas l'air, hein. Ça a pas l'air. Là, si on regarde, vous voyez, contre le truc... ah si, quoique. Ouais, non, si, c'est le même. Donc on a plus d'amplitude, en fait, sur les côtés que sur le fond. Donc oui, si, on va faire un scale Y. Enfin, un scale Y, pardon. Et on va l'augmenter comme ça. Voilà. On l'augmente comme ça. Au final, c'est pas grave. On va juste réduire un petit peu le dénivelé, donc de là. Et là, on est bon sur X. Ouais, nickel. Donc rotation taille originaire géométrie. Voilà, et là on est pas mal. Ouais, c'est bon. C'est très très bien. Donc rotation taille origine vers géométrie sur tout le projet. Maintenant on va nettoyer donc toutes les planches. Hein. Donc là on passe sur tab, limiter dissolve. Ok. Sur les planches, pas de limiter dissolve parce que ça c'est que des coupes de construction que j'ai besoin. D'accord? Qui sont nécessaires pour mes angles. Donc surtout pas les enlever. Sur les planches au-dessus, on est ok. Voilà, donc vérifiez bien tous vos mèches. Hein, d'accord? Donc là pareil, c'est ok. Hop, vous passez tous en mode edit en fait, et du coup, vous regardez un petit peu vos mèches, si ils sont bons ou pas. S'ils sont fermés, s'ils sont ok, quoi. Si vous avez des faces rouges ou pas, quoi. Donc je sais que ça gêne certaines personnes que je travaille en mode normal, mais c'est utile, hein, croyez-moi. Donc là, le Solidify n'est pas appliqué, donc on va l'appliquer, d'accord? Donc Solidify, H, H. Là, c'est bon. Alors là, non, par contre, cette planche-là, donc oui. Là, on va faire un limited dissolve. Voilà, donc H. Excusez-moi, du coup, j'ai mal fait mon travail. Voilà, cette planche-là aussi, donc il y en a beaucoup. Hein. Donc, faire attention encore une fois aux zones qu'on veut enlever ou pas. Donc là, il y a cet angle-là qu'on veut enlever et les autres angles. Donc, du coup, on va faire un limited dissolve. On voit que là, vous voyez, ça me supprime des edges utiles. Donc, faire attention aux edges que vous supprimez, encore une fois. Donc là, là. Celle-là, bah non, du coup. Celle-là, oui. Ah, c'est l'angle, en fait, qui est ici. Donc là, là, hop, je vais faire un slash, hein, du coup, pour voir un petit peu. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc là, si je fais un dissolve edge, limited dissolve, pardon. Voilà, normalement, ça garde mon angle. Ah, c'est pas celui-là que je voulais. Oh, punaise. L'angle là, j'en ai besoin en fait, mais c'est que ça du coup. Bon, on va le faire manuellement parce que là, je galère un peu fait qu'avec le limited dissolve, ça sert à rien. On va le faire manuellement. Donc là, le but c'est d'enlever donc toutes les edges de construction. Voilà, hop, tac, et ensuite donc de garder uniquement ça, ça. Et après, il manque une edge de contour en fait, c'est ça qui me manque. Ça, ça. Et là, il manque donc la connexion entre cette planche là et cette planche là. Donc la contrôle R, on snap. On reprend le mode vertice, et là, pour fusionner deux points, c'est pas F pour fermer les faces, c'est J. Donc J pour connecter. Donc J. Là, pareil. J. Contrôle R. On snap. Là aussi. Donc J. Et là, J. Voilà. Et là, notre mèche est propre. OK? Pareil de l'autre côté, donc du coup on va nettoyer encore une fois donc, cette partie-là, donc tac, tac. Un dissolve edge. On enlève donc les coins, donc les angles à 45. Donc pourquoi on enlève les angles à 45? Parce que du coup je préfère la géométrie à 90 que la géométrie à 45, parce que ça évite les problèmes de bevel, vous allez voir après. Les bevels d'embellissement, après c'est compliqué, quoi. Donc, tac, hop, voilà. Et voilà. Donc là, j'ai un petit bug parce que du coup, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc là, un degenerate dissolve avant de quitter ça. Merge by distance, delete loose. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et là, notre mèche est propre. Nickel. Donc, H. Là, on vérifie. Donc là, c'est bon. Là c'est bon, c'est unifié. Là c'est ok. Les tiroirs c'est ok parce que c'est nous qui les avons conçus, donc normalement il n'y a
pas trop de bugs. Nickel. La planche du centre, c'est bon. Le deuxième tiroir, c'est bon. Cette planche-là, c'est OK. Ça, c'est OK. Oui, c'est OK. Oui. Oui. C'est OK. On va peut-être faire un petit clean-up aussi là-dessus, parce que je crois qu'il y a des petits bugs ici aussi là-dessus. Donc là, déjà, il dissolve, merge by distance, delete loose. Non, c'est bon. OK. Et là, c'est bon, puisque du coup, on avait unifié. Donc là, après, vous allez voir donc les bugs que ça va créer, en fait, au niveau des bevels d'embellissement, ce genre de géométrie. Donc, je vais vous apprendre à corriger ça. Mais pour l'instant, on va le laisser comme ça. Pour l'instant, on le laisse avec le défaut, hein, parce que je sais qu'il est là. Mais c'est pas grave. Et voilà, donc voilà notre armoire qui est faite. Donc là, tout ce qui manque, c'est les poignées. Donc pour les poignées, c'est très simple. On va faire un CTRL-R au centre. On va sélectionner donc cet edge-là avec le mode Edge. Shift-S, curseur vers sélection. Donc on met le curseur ici, mon point d'origine. Shift-A, mesh, cylindre. Rotation X, 90. On va faire un GX, enfin GY, pardon, 1, pour l'avancer donc en négatif, donc vers moi. Q, origine vers curseur 3D, comme ça ma base de cylindre, elle est à la base de mon tiroir. Je scale, point 1, scale, point 1, voilà, donc là j'ai ma base. Scale, point 5, donc je divise par 0,5. Je l'avance un petit peu, donc de 0,002, donc 2 mm. Je reprends mon cylindre de base, qui est ici. Je fais une extraction de 0,002. Voilà. Je fais un scale Shift Y pardon, pour l'augmenter sur X et Z en même temps. Et là, je vais taper 3. Peut-être pas 3, on va mettre 2. Voilà, 2, c'est bien. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais avancer donc, de 0,002 encore une fois. Voilà. Je prends donc, la base qui est ici. Extrusion Snap. 0,002. Voilà, pour créer mon socle. Et après, pour la petite forme en fait, qu'on a ici, donc en boule, hein, c'est un peu compliqué de le faire manuellement. Enfin, on peut le faire, hein, mais c'est plus complexe. Là, je vous conseille, en fait, c'est de prendre donc, une demi-sphère qu'on va aplatir pour l'unifier avec le reste. Donc, je vous montre comment faire. C'est qu'ici, je prends Shift-S, curseur de sélection. Shift-A, mesh, sphère. Donc, UV-sphère. Hein, rotation X, 90. Scale, point 1, scale, point 1. Donc là, je sais que j'ai mon centre. Je prends la moitié de ma sphère, je la supprime. Donc, X, L, X, delete face. J'ai la moitié de ma boule, hein, voilà. Je fais un scale Y 0,5 pour l'aplatir. Je l'avance de 0,002. Voilà. Maintenant, je supprime le centre de mon cylindre. Je prends mes deux parties, je fais un CTRL J pour les join. Et là, je les fusionne ensemble. Donc là, le but, c'est de raccorder, en fait, donc les parties, en fait, les unes avec les autres. Donc là, je fais un F, vous voyez, F, 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 F. Et voilà, j'ai ma petite partie de poignée. Donc là, je pense que c'est un petit peu trop petit. Enfin non, c'est cette partie-là qui est trop grosse. Donc on va faire un CTRL plus, scale Shift Y, et je vais faire un point 75. Alors, c'était pas le but de faire ça. On va faire un slash, scale Y, point, enfin Shift Y, pardon, point 75. Je veux pas. Voilà. Point 75, voilà. Et là, c'est pas mal. Ouais. Maintenant, je prends donc la base qui est ici, donc Shift S, curseur de sélection, Q, origine vers curseur 3D. Comme ça, l'origine de ma poignée, enfin de ma, oui, de ma poignée est ici. Je peux reprendre maintenant le centre de mon tiroir ici avec curseur vers sélection. Je prends ma poignée, Shift-D, Shift-S, sélection vers curseur. Ok ? Et là, j'ai mes deux poignées. Ensuite, si je juge que du coup, bah, le centre de ma poignée est un peu trop gros, ce qui est le cas, scale Shift-Y, point 75. Voilà, et là, je suis bon. Parfait, parfait. Donc on va refaire un Shift C et on a donc tout ce qu'il nous faut, donc les poignées, etc., etc. Donc ensuite je vais vous montrer donc les problèmes qu'on va rencontrer donc au niveau de l'embellissement du mesh. Ensuite on va passer donc au dépliage UV, le texturing, puis l'intégration sur Unreal. Donc comme vous pouvez le voir déjà, la vidéo est très très longue. Voilà, beaucoup d'explications, beaucoup de choses. J'espère qu'on va passer moins de temps sur les prochains mesh en fait, hein, au complet, parce que du coup j'irai peut-être un peu plus vite. Mais en tout cas, cette vidéo-là,
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, voilà, pour me dire si c'est OK pour vous, si c'est compréhensible, si c'est trop rapide, enfin voilà. J'essaierai de m'adapter pour les prochaines. Mais voilà, en tout cas, vous voyez que déjà, ça prend beaucoup de temps si on fait un mesh propre, OK? Donc, on se retrouve pour la troisième partie, donc du coup, l'optimisation et l'embellissement du mesh. Et ensuite, on passera donc au texturing et au rendu. Donc, à présent que nous avons terminé donc, notre mesh, on va désactiver donc ici le face orientation, hein, du coup, pour ne plus voir les normales. On va enlever donc le sol, du coup, on n'en a plus besoin. Et on va également désactiver, donc là, la petite croix, en fait, hein, ici, signifie que vous avez le render region qui est activé, hein, donc ici, dans view. Voilà, faut le décocher, parce que sinon, ça fait une petite croix bizarre, en fait, sur l'écran. Donc maintenant, on va passer à l'embellissement du mesh. Donc là, on a plusieurs parties, hein, d'accord, qu'on va renommer avec une nomenclature spécifique pour identifier les parties, d'accord. Donc ici, on va renommer donc ça en SM bibliothèque. Donc le static mesh s'appelle bibliothèque, ok. Et ensuite, on a donc SM static mesh underscore le nom du mesh et underscore planche arrière. Ensuite, on a donc SM bibliothèque top underscore donc top 1 enfin top 01 du coup voilà. Ensuite on va faire un copier-coller de ça, donc CTRL C, on va sélectionner donc la deuxième planche, hein, qui est ici, hop, voilà. Donc là ça va être le plan top 02, hop, le plan top 03. ...04 et 05. Ensuite, on a donc ici bibliothèque, donc côté. Donc on va pas mettre d'accent, hein, sur les noms des mèches. Donc soit vous renommez en anglais, soit en français, hein, après peu importe, hein, ça n'a pas d'importance. Mais pour la vente, je vous conseille quand même en anglais. D'accord? Donc je pense qu'on va passer plus sur de l'anglais, parce que sinon ça va être compliqué après pour le mettre sur la boutique. Donc on va mettre library, voilà, underscore, donc top beams. Donc les top beams, c'est les plaintes du haut, en fait, hein. Voilà, ensuite on va mettre donc ici library sites avec l'underscore. Voilà. Ensuite, on a donc le library top. Donc là, on va faire juste un copier-coller. Oups. Voilà, et ensuite on a donc library back board. Donc board c'est planche en gros. Backboard. Ensuite on a donc la handle right. Donc library drawer, donc le tiroir handle right. Donc toujours séparer en fait le nom du mesh et le type de mesh en fait avec avec le nom de la partie en fait. Donc là ça, on sait que ça fait partie donc du tiroir, donc du coup on met drawer, d'accord, donc le tiroir, et ensuite l'handle right, donc la poignée de droite. Là pareil, drawer handle left. Voilà. Ensuite, on a donc là, c'est les boards. Donc, du coup, on va mettre ici donc library boards. Voilà pour les planches. Là, ça va être donc le backboard. Ça va être donc le drawer right. Voilà. Là, ça va être bottom. La base, hein, du coup. Là, ça va être library bottom board. Library drawer middle board. Ah, donc l'importance de ça, en fait, c'est que du coup, quand la personne va acheter votre mèche,
il faut qu'elle puisse identifier rapidement en fait les éléments qui la constituent. Si vous mettez pas de nom en fait, vous laissez juste cube, etc. La personne quand elle va l'acheter, elle va dire ok, j'ai pas le temps de déchiffrer ce qu'il a voulu me dire. Si j'ai envie de contrôler mes tiroirs ou la planche ou la détruire, enfin peu importe ce que de faire ce que j'ai envie de faire, il faut que je puisse identifier le mesh rapidement. Donc d'où l'intérêt de renommer vos meshes correctement, d'accord? Donc la library va mettre top drawer top board. Board, et du coup c'était donc là on va mettre board, voilà, et là c'est bottom board, on va mettre drawer bottom board, voilà, comme ça je sais que du coup bah voilà la planche du bas des tiroirs, ok, end left, ok, handle right, middle board, ok, voilà, donc voilà, je peux identifier rapidement les éléments. Donc là il nous reste juste le cube qui est ici. Donc là, ça va être library button top board. Voilà, du coup, j'ai la planche du haut. Donc maintenant qu'on a renommé tous nos éléments, on va sélectionner tout notre mesh. On va faire un Q rotation taille origine vers géométrie pour tout recalculer. On va faire une dernière étape de nettoyage. Donc là, dégénérer dissolve, pas de merge by distance parce que du coup, ça risque de fusionner des meshes qu'on ne veut pas. D'accord ? Delete loose. Et là, on refait rotation et origine vers géométrie. Donc là, on sait que le mesh est propre. On vérifie donc les normales, on vérifie qu'il n'y a pas de face rouge sur notre mesh, donc là, c'est pas le cas. Donc là, notre mesh est OK. Il est propre, il est prêt pour l'embellissement. Maintenant, pour l'embellissement, donc là, on va renommer cette collection, comme je vous ai dit, donc là, on va mettre library model, voilà. On va créer donc une autre collection qui va être donc library optimisation, voilà, et ensuite on a une autre collection qui va être donc library export. Voilà, donc library export, je vais vous montrer après comment faire. Donc ici, on va prendre donc tous les meshes qui sont là, voilà, on va faire un CTRL-C, CTRL-V, voilà, on les copie donc dans la nouvelle collection. Celle-ci, on peut la masquer, donc du rendu, de la vue et de la collection, très important. Et on va travailler uniquement sur celle-ci. Donc là, on peut voir que du coup, il y a un Solidify qui n'est pas appliqué. Donc là, il faut l'appliquer ici, hein, sur le modèle de base. Très important. Donc on le réaffiche. Voilà. On va faire la même chose. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait de modifiers, en fait, hein, sur le modèle. Voilà, les modifiers, ça arrive par la suite. Donc les Solidify, c'est des comment ? C'est des modifiers de modélisation. Donc du coup, ils sont utiles pour la géométrie de base. Mais après, les comment ? Les modèles d'embellissement sont par la suite. OK ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, vous voyez, en fait, là, ça a été renommé 001, en fait, parce que du coup, c'est une duplication. Donc pour éviter ça, on va retravailler sur le modèle qui est là, d'accord? Donc celui-ci va être, donc l'optimisation va être la base, donc là, on va renommer ça en base, voilà, et là, c'est le modèle pour la modélisation. Donc là, les backboards, on a ici une épaisseur de 1 cm. Donc le but, c'est que aucune géométrie au monde, donc aucune forme au monde, n'est parfaitement droite avec un angle à 90 ultra parfait. Comme en 3D, c'est souvent le cas. Donc c'est pour ça que quand vous faites vos rendus, et que du coup vous ne mettez pas de bordure, en fait, de bevel, en fait, sur les planches ou sur les formes, ça donne un aspect faux, parce que le truc est trop parfait, en fait. Il est trop droit, il est trop parfait. Donc pour éviter ça, il faut aller ici, donc rajouter un modifier de bevel. Donc on fait un clic droit, on va l'ajouter au quick favori, et on va l'appliquer. Donc là, bevel, vous voyez. Donc le bevel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, bah, comme le contrôle, enfin le shift B, il va séparer les edges en deux pour donner donc cette légère arrondie, hein, comme on a fait pour les ornements. Et nous, le but, c'est de créer un bevel suffisant pour cette planche. Donc là, actuellement, on a 0.1, donc on a 10 cm de bevel. C'est beaucoup trop haut. Notre planche, elle fait 1 cm d'épaisseur, donc 0.01. OK. Vous voyez que là, si je tape 0.01, ça veut dire que le bevel fait exactement l'épaisseur de la planche, donc rien ne change. Donc il faut que j'aille en dessous. Donc en général, on tape la valeur de la planche et on divise par des valeurs, donc soit par 4, par 8 ou par 16. Tout dépend de la finesse du bevel qu'on veut. Là, c'est une planche arrière, d'accord? Donc on a besoin quand même d'un petit peu d'ambiante occlusion, donc d'ombrage de contact qui va se faire entre les planches du dessus, de devant et de derrière. Donc du coup, on veut un bevel assez fin, mais quand même visible. Donc pour faire ça, on va taper donc 0.01 slash, donc à diviser, par 8. Et on appuie sur Entrée. Et là, vous voyez, le bevel est créé.
Donc du coup, ça crée cette forme arrondie. Sauf que là, ce n'est pas un arrondi, c'est un angle à 45, d'accord ? Enfin, un angle à 35, quoi. C'est un angle en biais. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut un arrondi. Donc pour faire ça, on rajoute un segment supplémentaire, ce qui nous permet d'avoir donc une découpe pour nos UV et pouvoir couper correctement notre mèche. Ok ? Donc là, on met deux segments, toujours par chiffre pair. Les chiffres impairs, c'est possible si c'est une forme arrondie de base, mais si c'est un bevel d'embellissement, il faut toujours multiplier par 2. Donc soit 2, 4, 6 segments, 8, etc. Okay ? Donc là, on a deux segments. L'angle à 30 degrés, c'est parfait, parce que du coup, je vais adoucir donc, tous les angles qui sont au-dessus de 30 degrés. Donc là, 45, c'est parfait, ça va l'adoucir. Si je baisse cette valeur-là donc à 0, ça va adoucir tout. Si je mets au-dessus de 90, donc là, regarde, on va mettre 90, hop, le bevel disparaît. Donc, sachez que la valeur d'angle, il va prendre la valeur, toutes les valeurs au-dessus de l'angle minimal. Donc là, on aurait pu mettre 89, ça marche aussi. 89,9, ça marche aussi. Tant qu'on n'est pas à 90, d'accord ? Donc faites attention à ça. Hein. Donc là, on va mettre donc 30, hein, voilà, par défaut. Et ensuite, vous avez ici, donc, profil, géométrie, shading. Donc ça, pour l'instant, on va pas s'en occuper, hein, on va laisser comme ça. Par défaut, c'est très bien. On va minimiser ce modifieur. Et là, on va appliquer donc un autre modifieur qui est le normal pondéré. Donc le normal pondéré, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va comprendre que l'angle qui a été adouci ici n'est pas brut, mais qu'il est doux. Et du coup, ça va lisser cette edge-là. Vous voyez, en fait, l'edge du milieu qu'on a créé, donc là, avec la deuxième loupe, il va le courber pour donner l'illusion qu'il est courbé réellement, et pas rajouter de la géométrie supplémentaire, mais juste rajouter le lissage qui permet de ne pas voir les edges comme ça. Donc pour faire ça, il faut appliquer donc un autre modifieur qui s'appelle Weighted Normal, donc Normal Pondéré. Donc on l'applique, là pour l'instant rien ne change, pourtant je suis bien en Weight à 50, Threshold à 0.01, ok, bah, il n'y a rien qui marche. Pourquoi ? Parce que là il me fait un petit point d'exclamation, il me dit « Attention, Enable Auto Smooth in Object Data Property ». Donc cette option-là, Auto Smooth, se retrouve ici, dans l'objet Data, donc l'objet de propriété, dans Normal, et vous cochez Auto Smooth. Si vous cochez l'autosmooth, ça va lisser, vous voyez, automatiquement les bordures. Voilà, tout simplement. Donc là, on active l'autosmooth. Donc on va le mettre en quick favori aussi. Donc clic droit, add to quick favori, donc ici, pour l'ajouter à la touche Q. Vous voyez, je l'ai là, hein, vous voyez, avec la petite coche. Et ensuite, on va appliquer donc les normales pondérées. Donc là, actuellement, je suis à 50% de pondération. Donc c'est-à-dire que cet angle-là, il est à 50% de lissage. Moi, je ne le veux pas à 50%, je veux à 100%. Donc je vais augmenter à 100%. Ça va tirer sur le vertice à 100% de leur propagation et ça va lisser mes bordures, tout simplement. Et ensuite, pour valider ce mesh en finale, il faut le trianguler. Pourquoi le trianguler ? Parce que ça évite les problèmes de texturing et les problèmes de shading. À la fin, une fois qu'on va valider donc cette étape-là, en fait, hein, qu'on va déplier notre mesh, il faut que les autres logiciels, donc, dont Unreal et Substance, comprennent que cette forme-là, donc là, la forme de plan, c'est un triangle qui est fait de cette façon-là. Donc on va imposer notre façon de créer les triangles sur Blender. Parce que de base, on a des quads. Il faut savoir que tous les triangles de base ne sont pas des quads, sont des triangles. Donc il n'y a que des triangles, c'est des quads divisés par deux, mais c'est des triangles. Pour vous montrer ça, il y a quelque chose d'assez simple. En fait, c'est que là, vous voyez, on a notre mèche. Donc je vais vous montrer un truc assez rapide. Hein. Donc là, si notre mèche... Je vais l'isoler du coup, on va enlever ça donc en base. Voilà. Donc là, je vais vous montrer rapidement, je vais créer un nouveau matériel. Donc le faites pas, hein, c'est juste pour vous montrer le truc. Donc là, on va mettre donc ici un texture. C'est pas un texture, c'est un vecteur. Non, c'est pas un converteur. C'est où déjà ? Le wireframe, il est dans. Dans input, voilà, wireframe. Donc wireframe, ça va donner donc la vraie géométrie de la forme. Si je le connecte donc à la base color. Et que du coup, je passe en mode rendu, il va m'afficher réellement la géométrie telle qu'elle est. Vous voyez ? Donc là, il m'affiche le quad, effectivement, mais avec une ligne au milieu. Parce que du coup, réellement, dans le. Pas dans Blender, mais du coup, dans sa vraie forme, il est triangulé de base. Donc il faut juste indiquer que le mesh est triangulé à Blender pour dire OK, je suis triangulé, donc tu me donnes la vraie forme de mon mesh, tu me donnes pas de quad. Et comme ça, quand je vais l'exporter et que je vais l'importer sur d'autres logiciels, j'aurai mes triangles parfaitement propres. Vous voyez ? On a les triangles de côté, les triangles de contour, etc. Donc là, on a donc la size de la ligne, on va mettre 0.001 pour montrer. Voilà. Et là, on a donc les lignes internes. Bon, c'est encore trop épais. On va mettre 0.0005. Voilà. Et là, on voit les lignes de triangulation. Donc
très important de voir, en fait, avec le wireframe, du coup, comment ça rend avec la vraie géométrie. Donc là, je vais supprimer ça. Hop, les matériaux, on le verra après. Hop. Donc, pour trianguler donc, un mesh, c'est très simple. On va ici, donc, dans Modifier. Donc là, on va faire un clic droit déjà sur Weighted Normal. On va l'ajouter au Quick Favori hein, pour l'avoir tout le temps. On va cliquer sur Triangulate. Et là, on a la triangulation. Sauf que je ne la vois pas. Comment je fais pour la voir? Il faut que j'affiche le wireframe de ma géométrie. Donc là, je clique sur wireframe, et là, je vois ma triangulation. Donc, est-ce qu'elle est correcte, la triangulation? Oui, parce que du coup, elle est triangulée sur la droite. Je peux l'inverser en clip ou en beauty. Donc ça, c'est des différentes méthodes de triangulation. Ensuite, vous avez donc la diagonale la plus courte, en beauty, qui va donc valoriser l'embellissement, en fixé, pour fixer la direction des triangulations, ou en alterné, qui va inverser donc la position fixée, ou en diagonale la plus courte. Donc nous, on va laisser en beauty pour l'embellissement du mesh. Okay, donc il va me donner la meilleure triangulation en fait, possible pour que le mesh soit beau, tout simplement. Et maintenant qu'on a ça, on va cocher Keep Normals, puisque si je ne coche pas cette option-là de Keep Normals, vous voyez, ça me crée des défauts de triangulation. Vous voyez ici, la triangulation est faite, certes, mais ça me déforme mes normales pondérées. Donc je coche Keep Normals, et là je garde mes normales malgré la triangulation. La triangulation est toujours là, mais ça ne déforme pas mon lissage. Parfait. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment embellir un mesh en fait de façon très simple. En fait, c'est le bevel, les normales pondérées pour redresser les normales qui ont été adoucies via le bevel, la triangulation pour valider votre mesh. Après, on va aborder donc là le dépliage UV, etc. Donc ça sera pour une autre vidéo, du coup. Je vais séparer les vidéos en dépliage UV, texturing, matériaux, et après une autre vidéo pour Unreal. Ce sera beaucoup plus simple comme ça, parce que sinon, ça va être trop long, quoi. Ok ? Donc là, on va faire un slash. Maintenant, on va continuer avec les boards. Donc les boards, pareil, on a ici donc des planches qui font... Hop, on va regarder donc la taille. Hein. Donc toujours travailler en edge length, voilà. Donc 0.015, ok. Donc je mets mon bevel, ok. 0.015... à diviser par 4. Donc là, je veux des bevels un peu plus épais. Donc là, ça va me donner une taille minimale. Ok, je vais essayer d'aller en dessous. 0.015 à diviser par 8. Voilà, très bien. 0.015 divisé par 8, ça me va. Deux segments, toujours. Hop, je minimise mon modifier. J'applique mes normales pondérées. Là, il me demande attention l'autosmooth. Ok, j'active l'autosmooth. Et j'active la triangulation. La triangulation me déforme mon mesh. Donc déjà, je vais commencer par la mettre en beauty. Et ensuite, je vais faire un Keep Normals. Je tire mes normales à 100%, et là, j'ai mes normales qui sont bonnes. Voilà. Vous voyez, donc ça va vraiment très très vite, et c'est très simple à faire. Hein. C'est, voilà, l'embellissement des mèches, c'est vraiment très simple. Il faut prendre la valeur d'épaisseur max, et faire le bevel en fonction. Là, pareil, donc du coup, on a une épaisseur qui est un petit peu plus grosse. Donc là, vous allez voir donc, le défaut que je vous parlais, hein, du coup. Ici, on a 0.02, ok, donc on va faire bevel. 0.02 divisé par 8. Ok. Donc là, j'ai un bevel, mais vous voyez, en fait, le bevel, il est vraiment très petit. Il est vraiment très fin, parce que, ici, j'ai des problèmes de géométrie qui m'empêchent d'aller plus loin. Vous voyez, en fait, donc cet arc-là, il fait à peu près, je sais pas, il fait combien, lui? Il fait 0.005, et là, j'ai un bevel de 0.0025. Donc, c'est-à-dire que là, je suis à la moitié de cette forme-là. Donc, si je veux l'amplifier avec cet angle-là, il faut que je corrige ma géométrie pour avoir quelque chose de propre. Et ça, c'est pas simple, dans le sens où il faut faire une boucle de consolidation du mesh. Donc je vous explique, c'est très simple. On va faire donc 3. On va sélectionner donc le côté qui pose problème, donc ce côté-là, qui est très dense en géométrie. On va le sélectionner. Et là, je vais enlever donc l'edge length. Et on va faire un inset. Donc un inset de la forme globale pour créer une bordure supplémentaire, vous voyez. Sauf que, attention, je dépasse ma géométrie. Donc, c'est pas grave, c'est voulu, d'accord? Vous prolongez la géométrie au max, donc on va mettre 0.01, pardon. Ah, c'est beaucoup trop. On va mettre 0.005, même moins, on va mettre 0.0025, voilà. Et là, on va supprimer cette face, Delete Face. Ok? Je supprime la face qui pose problème, vous allez voir après pourquoi. Là, pareil, donc je veux prendre toute cette partie-là, donc du coup, je vais faire un C pour afficher donc l'outil circulaire de sélection. Je sélectionne le contour. Voilà. Je vérifie que je n'ai pas sélectionné d'autres choses. Si, donc là, j'en enlève. Voilà. Et là, pareil, donc Inset.
0,0025. Ah, j'en ai oublié. Donc inset 0,0025. Voilà. Je supprime. OK. L'appareil. Tac. Je viens chercher ma forme ici. Donc là, vu que c'est tous les contours, en fait, on a meilleur temps de sélectionner le contour de base. Hein, mais bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Donc là, on va prendre donc, ici. Donc contrôle. Voilà, on va venir sélectionner donc, la loupe qui est là. La loupe qui est là, la loupe qui est là. Hop. Alors vous allez me dire, en fait, oui, mais c'est pas grave si on laisse comme ça. Oui, effectivement, c'est pas grave. On peut vendre un mesh comme ça. Hein. On peut vendre un mesh qui est pas pondéré, qui est pas propre, qui est pas voilà, qui a pas la densité de correction au niveau des angles, etc. C'est possible. Hein. Il y en a beaucoup qui le font. Est-ce que je vous le conseille? Clairement pas, parce que du coup, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'avoir une qualité supérieure à ce qui se fait déjà et d'avoir votre propre votre propre qualité d'assets, en fait, qui est définie par ce que vous faites. Voilà. Si vous faites comme les autres et du coup, dire oui, bah, c'est pas grave, bah, effectivement, enfin, c'est, voilà. Je dis pas que vos mèches vont pas se vendre, mais c'est pas un gage de qualité. Et du coup, peut-être que la personne qui vous achète un asset ne reviendra pas dessus parce qu'elle sait que, bah, votre qualité de travail ne répond pas à ses critères et du coup, qu'elle a pu identifier des bugs dans vos mèches, etc. Ça peut que ça passe à la trappe, hein, clairement, mais si vous en avez conscience, partez du principe que les autres personnes peuvent en avoir conscience aussi. Et que vous n'êtes pas le seul à connaître les défauts de géométrie et tout ça. Quoi. Okay. Voilà, donc là, on continue, hein, du coup. Voilà, on va retravailler donc, tous les coins. Hop. Donc, dans l'absolu, pour éviter ce genre de problème, c'est de l'identifier avant de faire la fermeture des loops, hein, comme là, je l'ai fait, et de le faire tout de suite, le inset. Là, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait après pour vous montrer. Mais normalement, on le fait avant, parce que du coup, on connaît déjà les bugs. Donc on se dit, ok, bah si je le connais, je vais pas le faire volontairement exprès. Il faut que je le supprime avant, quoi. Par contre, j'ai pas fait le inset. Voilà, donc là, après, ce qu'on peut faire éventuellement... Je sais pas s'il y a une technique plus rapide, en fait. Normalement, oui, mais bon. Là, si on fait ça, et ça, que je fais un P pour séparer par sélection, peut-être que ça permet d'identifier la partie de directement... Ouais, non, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Ça a rien de rusher, on a le temps. Enfin, on a le temps. La vidéo est longue, mais bon, on a le temps quand même. Voilà, donc inset 0,0025, on supprime. Et voilà, 16.0025. Et là, on est bon. Donc maintenant qu'on a corrigé... Alors pas tout. On va faire attention vraiment à la sélection, parce que des fois, on ne sélectionne pas toutes les parties, et après ça bug. Donc là, je vérifie un peu ma sélection. Donc là, ça m'a l'air bon. Là aussi, ça m'a l'air bon. Là aussi. Là aussi. Là, il manque cette partie-là. Là. Ouais, bon, c'est pas grave, on va faire autrement.
Ah, donc là, normalement, si vous avez fait les choses correctement, il n'y a pas ce bug-là. Donc du coup, je vais couper mon mesh en deux, en fait, pour le faire à miroir, parce que sinon, je vais pas perdre du temps à corriger la géométrie maintenant. On va faire ça comme ça. Hop. Ah, je vais faire un miroir sur le mesh pour me permettre de rattraper ma connerie sur la gauche. Donc là, je sélectionne cette partie-là. Hop. Voilà. On va faire donc un miroir. Hop. On applique. Ah. Pourquoi ? Donc là, si votre si le point d'origine est décalé, c'est pas grave. Donc on va faire autrement, on va faire ça. Ça, ça, ça. Voilà, hop. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Donc maintenant ces parties-là, en fait, on peut les laisser, donc du coup c'est pas gênant. On va supprimer juste les edges de centre que j'ai faites moi. Voilà. Donc ça, je vous le laisse au montage, hein. Ça vous permet aussi de voir comment je rattrape aussi des bêtises de façon simple et pas passer 1000 ans dessus, quoi. Donc maintenant qu'on a nos formes qui sont corrigées en termes de bordure, vous voyez que du coup le bevel est beaucoup plus important maintenant. Vous voyez, le bevel va au-delà. Donc on va mettre donc deux segments. On va mettre donc 0.02 divisé par 8. Ok, ça me donne ça. 0.02 divisé par 16. Voilà, pour avoir un bevel propre. Et là maintenant, le but c'est de raccorder les éléments avec les loupes qui vont en face, pour avoir un bon raccord. Donc pour ce faire, on va enlever donc le bevel pour l'instant, on va travailler avec une géométrie pure, et là, on va raccorder les mèches entre eux. Donc là, on voit que du coup, cette edge-là, en fait, hein, du coup, elle arrive ici, hein, à peu près, donc à ce niveau-là. Donc nous, c'est pas le but de faire un raccord comme ça, avec F, d'accord, parce que déjà, il est tordu, il n'est pas de la même scale. On va se servir des loupes qui sont là, et de les snapper directement au-dessus, d'accord. Donc là, celle-là, on va l'enlever. Ensuite, donc là, on va faire un raccord en structure. Donc ici, on va mettre ça, ça. Et du coup, on va faire des raccords en loop. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Donc là, le but, c'est de créer en fait des edges supplémentaires pour raccorder tout ça ensemble. En sachant que là, on en a une avec ça. Donc là, si je fais un GY. Ouais. Là aussi, GY. On va le snapper donc là. Et là, on va raccorder donc déjà ce panneau-là à ce panneau-là. Voilà. On va couper en deux. Voilà, comme ça, on va corriger qu'une partie, en fait. Hein. Ça permettra d'avoir qu'une partie de corriger. On va couper en deux aussi là et là. Et on va supprimer cette partie-là, cette partie-là. Voilà, celle-là aussi. Hop. On garde que un quart du mesh. Voilà, on va appliquer donc un miroir sur X et sur Y. Voilà, comme ça nous permettra de corriger qu'une seule partie au lieu de tout. Et ça par contre, ça va pas du tout. On va faire un scale Y, GY. En clipping. Voilà. Parfait. Et là, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on va prendre donc cette partie-là, cette partie-là. Ok. Cette partie-là, cette partie-là. Voilà. Et donc là, le but, c'est de travailler de façon méthodique, en fait, hein, pour avoir vraiment des parties propres, et du coup, éviter ce bug de géométrie, en fait, et garder nos bevels. Hein. Nickel, ok. Donc là, on va commencer par la partie intérieure. Donc rappelez-vous, on a donc cette loupe-là qui vient se raccorder donc ici en face. Hein. Donc là, on peut déjà raccorder ça. Ça, ça va partir du coup. Voilà. Ici, bah, la même chose. Hein. On va reprendre cette loupe-là, on va faire un GZ. On va la snapper donc ici. Celle-là, elle s'enlève. Voilà, on prend ce contour, F. Et là, le but, c'est de créer donc une géométrie propre par rapport à ça. Donc là, on va raccorder donc ce point-là. On va faire un scale. Y, 0. GY, on va snapper donc ici. Ouais. On va faire un scale Z, 0. GZ, snap là. Oula.
Voilà. On va faire un F, tac. Ensuite, on va faire un F, donc ici. Et après, le but, c'est d'avoir donc un triangle là, un triangle là, un triangle là. Donc là, on va faire donc ici, CTRL R, on va snapper donc, là. Voilà, petit triangle ici, c'est pas grave. Ensuite, on a donc l'autre loop qui va venir là. Donc là, on va faire un F. Une autre loop qui va venir ici, donc on va refaire un F. Et on va ensuite raccorder donc là, scale, scale Y, 0, GY, snap. On va faire un degenerate dissolve, merge de distance, delete loose. Là, on va raccorder donc ça à ça. Voilà. Là, par contre, j'ai deux points, je ne sais pas pourquoi. À cause de ça. Ah, toujours analyser la géométrie en fait et savoir pourquoi vous avez des bugs en fait. Hein. Si vous n'arrivez pas à faire une loupe complète, c'est qu'il y a un bug de géométrie. Oui. C'est que là j'ai un vertex en trop, donc du coup je peux pas faire de CTRL R, donc je peux pas créer ma loupe, donc il y a un problème. Donc c'est une bonne façon pour vérifier votre géométrie, c'est de faire des loupes constantes en fait et voir si c'est raccordé ou pas. Donc j'ai Y, voilà, et là j'ai corrigé ma topologie de mon mesh. Voilà, donc c'est pas parfait parce que du coup cette ligne là normalement elle est censée être un petit peu plus haute. Donc là, ce qu'on va faire, hein, on va faire un GZ. Je ne sais pas pourquoi il me l'a mis aussi basse. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on est bon. Et là, vous voyez, en fait, donc la topologie est beaucoup plus douce et beaucoup plus alignée. Et maintenant, si j'active donc mon bevel, bah, du coup, il n'y a pas de déformation au niveau du bevel, contrairement à avant. Et je peux aller beaucoup plus loin si j'ai envie de l'augmenter x2. Je peux le faire sans problème, ça l'augmente x2. Contrairement à avant où j'étais bloqué. Ok ? Donc là, on a corrigé cette partie-là, donc on va corriger maintenant cette partie-là ici aussi. Donc là, ça va aller assez vite, puisque du coup, on a déjà les loops de raccord. Hein. Donc là, c'est bon. On va faire donc ça, ici, avec F, 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 F. Ensuite, on a donc le raccord avec ça. Donc là, c'est la ligne d'ici. Donc là, on va faire un CTRL R. D'abord, on va faire ça. Voilà. Donc, scale Y, 0. Enfin, scale X, pardon, 0. GX, snap. Voilà. On va faire un. Déjà, un dissolve, merge de distance. Un F avec la ligne du haut, donc là ça va être une extrusion. Donc là on va faire extrusion Z en fait pour snapper donc ici et ensuite raccord avec ça. Voilà. Donc là on va faire un merge de distance encore une fois. Là on peut raccorder ça tranquillement. Maintenant on va faire donc une loupe là, une loupe là, une loupe là et faire un F, F, F. Voilà, nickel. Là, pareil, encore une fois, donc la ligne n'est pas alignée, hein, je sais pas pourquoi. Donc, scale X, 0. Donc là, par contre, c'est pas droit, je sais pas pourquoi, en fait, ça va pas s'annuler, en fait. Ah, le but, c'est de prendre tous les vertex, en fait, qui sont pas alignés, en fait, et du coup, de les remettre droit, mais là... GX, hein, donc snap... Non, ça veut pas, hein. Ouais, bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. On va laisser comme ça, c'est pas très grave. Donc là, on a corrigé donc l'extérieur, et maintenant, au lieu de refaire l'intérieur, en fait, hein, du coup, corrigé, on a une autre méthode, c'est de supprimer donc l'intérieur, donc ici. Donc là, delete face, et ici, pareil. Voilà.
de supprimer l'intérieur et de resolidifier le tout corrigé, tout simplement. Donc là, on refait un solidify, on remet ça donc à l'intérieur, donc 0.02. D'où l'avantage de toujours travailler en fait sur des formes en fait simples au départ, plutôt qu'unifiées, quoi. Donc là, le clip, en fait, on va le mettre avant le miroir, hein, bien sûr, avant le solidify. Voilà. Donc, on active donc le miroir, on le valide. Maintenant qu'on a validé, on valide le solidify. Hop, CTRL A. On sélectionne donc les loops qui ne servent à rien, donc les loops de miroir, qui sont là. Et on supprime. On vérifie à l'intérieur, voir s'il n'y a pas des faces connectées, en fait, dedans, hein, dans le mesh, pour voir si notre jonction ne s'est pas faite automatiquement. Donc normalement non, parce qu'on a activé le clipping, mais on sait jamais. Vérifiez toujours l'intérieur de vos mèches pour voir s'il n'y a pas de loop en plus, quoi. Maintenant on vérifie que le bevel fonctionne bien. Donc là on est sur un bevel donc divisé par 8. On fait un x2. Ok. x4. Et là, ça rend une minimise. Pourquoi? Parce que du coup on dépasse la valeur. Donc rappelez-vous, la valeur elle est de 0.0025, donc en termes d'espacement. Donc je ne peux pas aller au-delà. Ok. Donc le max c'est 0.0025 pour le bevel. Si je veux moins, je fais 0.2, pardon, à diviser par 16. Du coup, là, j'ai la valeur max, à diviser par 8, et là, j'ai la valeur minime. On applique la rotation de la taille originale de la géométrie, et on est bon pour cette partie-là. Voilà, donc après, on va continuer avec les autres pièces, hein, tranquillement. Donc maintenant, on va activer donc la... les normales pondérées, la triangulation et l'autolissage. Donc les normales pondérées à 100%, on coche bien Keep Normals et on coche Beauty au niveau de la triangulation. Ensuite, on va passer donc à la planche donc ici. Donc pareil, donc là on va mettre donc le bevel. Le bevel, faire attention, donc du coup là il est au max parce que du coup il ira pas plus loin. Donc on va le laisser comme ça, c'est très bien. On va le laisser donc à 2. Et on va essayer de trouver donc la bonne densité, vous voyez, pour cet angle-là. Parce que là, l'angle-là, vous voyez, en fait, il n'est pas bévelé, parce que l'angle est en dessous. Donc on va descendre un petit peu. Voilà. Et là, on est pas mal ici. Voilà, donc on va mettre à 8. Je pense que c'est pas mal pour cet angle-là. On va essayer de diviser donc 0.01 divisé par 8. Ok. On va rediviser par 2. Ok. On va rediviser par 2 encore une fois. Voilà. Et là, on a quelque chose de propre. Ensuite, on active donc la triangulation... les normales pondérées, pardon, la triangulation de l'autolissage. Donc les normales pondérées donc à 100%, on garde les normales et on coche Beauty encore une fois pour la triangulation. Et là on est propre. Par contre là je suis en train de remarquer que du coup la bordure ici n'est pas faite. Elle est faite que là. C'est pas très grave, à la limite ça fait un style, mais pourquoi pas. Ouais. Je n'avais pas remarqué, mais bon, on va laisser comme ça. Ensuite, donc cette planche-là, du coup, donc ici, on a une épaisseur de 1.5, je crois, donc bevel, donc 0.015 divisé par 8. 0.015, pardon. 0.015 divisé par 8. Voilà, donc là, on voit que le bevel, du coup, ne fonctionne pas, en fait, hein, à ce niveau-là. Donc, quand ça ne fonctionne pas, le bevel, que vous mettez un bevel et qu'il ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous avez des défauts de géométrie. Donc, on va faire un Degenerate Merge by Distance Delete Loose. Donc là, ça ne corrige pas le bevel, donc ça veut dire qu'il y a un problème de géométrie. Voilà, donc là, il est là, parce que là, on n'a pas de raccord entre ce point-là et ce point-là. Donc, dès que vous avez un bevel sur un mesh, et que celui-ci ne s'affiche pas, d'accord, ne fonctionne pas, regardez la différence, hein, là, ça ne marche pas, je fais mon raccord, ça fonctionne. D'où l'importance d'une topologie propre, encore une fois. Donc là, je répète, donc 0.015 divisé par 8. Voilà, avec deux segments. On active donc l'autolissage, les normales pondérées, la triangulation, et à 100%, Keep Normals et en Beauty. Voilà, donc ça c'est bon. Cette planche-là, pareil, donc là, on rajoute donc le bevel. Cette planche-là fait 0.01, donc on a 0.01 divisé par 8, avec deux segments. On active donc l'autolissage, la triangulation et les normales pondérées. J'ai activé deux fois la triangulation, faire attention à ça aussi. L'équipe Normals, les Beauty, et 100%. Là, je sais que du coup, toutes les planches font quasiment la même épaisseur hein, ici. Donc là, je peux faire un CTRL-L pour lier les modifieurs, faire un Q, Alt, clic sur AutoSmooth, d'accord, pour l'enlever partout. Q, Alt, clic sur AutoSmooth pour le réactiver partout. Donc Alt permet d'activer une option sur plusieurs mèches à la fois, d'accord.
Donc ça, c'est un raccourci qui est important. Le alt permet d'activer plusieurs fois une fonction sur un mesh. Là, on est à 0.02, donc c'est même pas 0.01, c'est 0.02 divisé par 8. On va faire ça, voilà. On sélectionne donc en actif, CTRL-L, copy modifiers, Q, on désactive l'autosmooth partout, alt, on réactive l'autosmooth partout. Là, pareil, on va faire donc le bevel, donc 0.01 divisé par 8, voilà, donc là c'est justifié, Q, weighted normal, triangulation, autolissage, on active donc à 100%, en beauty, et avec l'équipe normals. On reprend celle-là et celle-là, CTRL-L sur l'actif, Q, alt, autolissage, on l'active partout. Ensuite, donc là on a donc des planches de 0.015, donc là on va remettre un bevel, donc 0.015 divisé par 8, on active donc le bevel, et normalement derrière la triangulation d'autolissage, on met ça à 100%, on active donc le beauty et le keep normals. Voilà, donc là c'est beaucoup de répétitions, hein, c'est pour ça que je me permets d'aller un petit peu plus vite. Et là vous voyez la différence des meshes. Voilà. Par contre là je comprends pas pourquoi ce soleil c'est un peu plus sombre. La normale, c'est très bizarre. C'est l'éclairage qui fait ça, ouais, c'est peut-être l'éclairage qui fait ça. Mais là, qui sera plus sombre. Ah oui, c'est l'éclairage, ok. Donc, tac. La planche derrière, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, on a donc la planche du dessous. Donc là, pareil, on a une planche donc, de 0.04, donc bevel. On va mettre 0.04 divisé par 8. Ok, davantage, parce que là, c'est beaucoup trop. Donc 0.04 divisé par 16. On active donc deux segments. Autolissage, triangulation, autolissage, enfin normal pondéré, pardon, keep normal et beauty. Donc ça c'est ok. On va masquer hein, ceux qui sont déjà faits, ce sera plus simple pour moi. Donc là c'est bon, ça non. Donc bevel, donc là pareil, 0.04 divisé par 16, avec deux segments. Normal pondéré, triangulation, autolissage, on active donc 100%, en beauty et en keep normals. Pour les poignées, donc là, on va mettre un petit bevel, en fait. Hein, donc là, on peut faire un point pour se focaliser dessus. Donc là, le bevel, il est vraiment minime, parce que du coup, on a 0.002. Donc 0.002 à diviser par 8, pour avoir un tout petit bevel. Voilà. On active donc les normales pondérées, la triangulation, l'autolissage, et on est bon. Vous voyez la différence, en fait. Donc là, vous voyez, en fait, là, on voit la triangulation. On active donc beauty. Ça va donc réorienter la triangulation propre. Et ensuite, keep normals pour relisser le tout. Là, on a deux poignées identiques, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un CTRL-L, copy modifiers, Q, alt, autolissage, et là, on est bon. Donc les poignées sont OK. Donc, H. Le petit tiroir, donc bevel, on va le mettre à 0.01 divisé par 8. Voilà. On active l'autolissage. La triangulation, donc normal pondéré, triangulation, autolissage. On active le 100%. Le keep normals, le beauty, et on est pas mal. On reprend le tiroir gauche et droite, CTRL-L, copy modifiers, Q, alt, autolissage, voilà. La petite planche au milieu, donc elle fait 0.03, je crois, donc elle est divisée par 8, on va mettre même 16, donc 0.03 divisé par 16, voilà, avec deux segments, normal pondéré, triangulation, autolissage, 100%, Keep Normals et Beauty. Est-ce que j'ai coché le Keep Normals? Oui, c'est parfait. Voilà, donc là c'est bon. Est-ce qu'il me manque d'autres choses? Donc les planches c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Ben voilà, nickel. Tout est propre. Voilà, voilà. Donc là, tout est validé. Donc maintenant, on va appliquer donc, la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie de tout. Et on va maintenant créer notre mesh d'export. Donc avant de créer le mesh d'export, il faut appliquer donc, tout ce qui est bevel. Donc d'abord, ça, c'est pour la modélisation. Donc on va prendre tout ça. OK. On va prendre, donc on va faire un Shift-D. Donc Shift-D, voilà, on va faire un CTRL-I pour inverser donc le nom, pour garder les bons noms. Et c'est ce modèle-là, là, en fait, hein, le modèle qui est bien renommé, on le met dans Export. Maintenant, le but dans Export, c'est d'appliquer les bevels. Donc avant, j'avais tendance à dire, il ne faut pas appliquer les bevels, en fait, avant de déplier, alors que maintenant, oui, parce que du coup, ça permet de corriger, en fait, donc les angles de coupure, ok? Donc les angles de coupure, c'est au niveau des edges. Donc là, les bevels, il faut les appliquer une fois que le dépliage est fait. Et pas avant.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le dépliage UV, je vais vous montrer une technique très rapide pour des formes simples, même pour des formes complexes. Hein, vous allez voir, ça va être très très vite. Une fois qu'on a déplié notre mèche, on applique les bevels, on l'exporte avec tous les modifieurs donc directement appliqués. Donc ça, vous allez voir, c'est directement dans l'export. Ensuite, on va les importer sur Substance, faire le texturing, faire les cartes, voilà, optimiser les cartes, l'importer sur Unreal et faire notre rendu. Voilà, donc il nous reste encore 3-4 étapes à faire pour finaliser ce mesh. Donc comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose qui est assez long, ça prend du temps. Donc là, cette grosse partie modélisation est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire, voilà, est-ce que vous avez besoin de plus d'explications? Est-ce qu'il faut prendre plus le temps? Est-ce que le format, le fait de séparer en plusieurs parties, ça vous gêne ou pas? Voilà, à vous de me dire. Mais je pense que c'est quand même pertinent de faire ça comme ça, plutôt que faire une vidéo de 8 heures sur chaque mèche. Voilà. Comme je l'ai expliqué, je ne suis pas dans la démonstration technique où je vais faire les trucs en rechant sans vous expliquer étape par étape. Je ne vais pas lésiner sur le temps qu'il faut pour expliquer les choses. Donc voilà. Donc je vous dis merci et je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo sur le texturing, donc dépliage UV, texturing. Et ensuite, on verra donc le paramètre d'import, le rendu sur Unreal et par la suite, une fois que FOB sera sorti, la mise en vente et le descriptif des choses. Donc ça, on le fera en amont. On va faire le descriptif du mesh, le nombre de triangles, les cartes, etc. Donc je vais vous montrer comment remplir la fiche technique de votre mesh, et ensuite on pourra le transvaser sur FAB une fois que la plateforme sera disponible. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.